Tout le monde. Un à la suite de l'autre, commençant par Madame aux cheveux roses. Ah. Quel est ton fantasme sexuel avant de mourir? Ça serait de faire, d'aller dans un truc d'échangisme. Oh ouais? Ouais. Ah ouais? Ouais. As-tu déjà tâté le terrain? Non. Fait qu'on salue ton chum à la maison. Son plus gros fantasme, c'est de coucher avec un autre gars que toi. Hyper chaud, t'es en congé, les gens sont beaux, c'est plein de party. Hey! Sors ton bicycle ou ta moto, va dans nature, voir les oiseaux, relax. Prends un break pour l'été. Va nager sur le bord d'un lac, fais ta planche à voile ou du kayak. Youpi! Prends un break pour l'été. Ok, c'est parti! Là, ça part. Ok! Deuxième podcast de ce lendemain de brosse, my brothers. We back. On est rendu au numéro 7, là? Ou 8? 6? 7, 7, 7. 7. 7. Le chiffre chanceux. Et que ça va faire 7 semaines. Ça êtes-vous prêts? On va faire changement aujourd'hui. On reçoit l'agente féminine, messieurs, dames. Let's fucking go. Gang à maison, prends-toi un petit coup à bouffer. Puis viens prendre un break avec nous. Hey! Prends un break pour l'été. Sors ton bicycle ou ta moto. Relax. Prends un break pour l'été. Ah, mon bébé. Non, non, c'est plus loin. Un jour, on va connaître les paroles. Youpi! Hey, je te mets ça à tâche, Emile. Prochain podcast, faut que tu connaisses les paroles par cœur. Impossible que je me rappelle de ça. Faudrait faire une danse. Ouais, on devrait, genre. Ben ça, c'est tout le temps un peu awkward. On va me mettre là-dessus, là. Bon, ok, c'est assez. Ça va être beau. Comment vous allez, vous autres? Top shape, man. Ah, moi, ça va pas bien, man. My bread. Moi, ça va pas bien. Comment ça va pas, toi? Je suis cassé en deux, man. C'est ça, jamais, tu sais, toi, ça va comment? Moi, ça va bien, man. T'as une belle calotte, toi, le beau-frère. Yes, pas qu'arrive, man. Hey, tabarnak! On avait-tu un sujet de quoi qu'on voulait? On n'a pas de sujet, man. On n'a pas préparé un sujet, là? D'intro? Ouais. Non. Will Smith a frappé Chris Rock. Hey, on peut... Ça va? Ah! Oui, c'est de ça qu'on va parler. Je me fais crisser dehors pour de vrai de mon appart. Ah, c'est vrai, officiellement, tu t'es crissé dehors. Dans le fond, Jay avait une date de comparution à aller au tribunal administratif parce que dans du le logement. Fond, parce que dans le fond, j'ai reçu trop de plaintes de bruit. Puis dans les ascenseurs, il y avait des graffitis écrits « Fuck GNT ». La personne qui a fait ça, « Fuck you, tabarnak ». À cause de toi, je me fais crisser dehors. Ben, pas juste à cause de toi, il y a aussi le bruit que je faisais. Mais... Pour faire une histoire longue courte, vu que tu m'as coupé, merci. Ben là, c'est moi qui se fait crisser dehors. Ben oui, mais t'en connais pas l'histoire. il a reçu un email comme de quoi qu'il y aurait une date à comparaître au tribunal administratif du logement, l'ancienne régie du logement. Finalement, il attend la lettre. C'est parce qu'ils m'ont dit, quand on te donne ta date, il faut que tu te pointes, parce que si tu te pointes pas, c'est comme si tu acceptais le fait que tu faisais crisser dehors, puis on va fermer le dossier. Là, TV, il arrive avec la malle, il dit « T'as une lettre, j'ouvre la lettre, on est le 8. » C'est écrit. La date, c'est le 7 à 2h. Fait que GNT, c'est pas présenté. Fait que... Mais si tu passes, tu check jamais ta malle, si? Tu check jamais tes courriers? Tabarnak, on est en 2022, ça va être beau. Appelez-moi ou envoyez-moi un email ou DM sur IG, mais de la malle. Ça va être la beau. Régie du logement va le DM sur IG. À limite, contactez-le sur son nouveau compte TikTok parce que GNT vient de se partir un nouveau compte TikTok. Hey gang, fait que c'est le temps de présenter notre nouveau sponsor, Pizza Salvatore Frank. Merci mes cocos à Pizza Salvatore de remplir notre bedon parce que c'est la meilleure pizza. Pour vrai, c'est une putain de tuerie. Parce que ils se sont fait racheter par des nouveaux propriétaires, puis ils ont tout refait le look, ils ont refait le menu. Puis la pizza est rendue sa crise de coche, pour vrai. Avant même qu'on soit sponsor, on en bouffait tout le temps. T'en collais minimum 2 par semaine, là, ta new-yorkaise. Pizza façon new-yorkaise, c'est les petits pepperoni on top au lieu d'être en dessous. Fait que les petits pepperoni deviennent croustifiants. En plus, il y a la croûte farcie.
Ça, c'est fire. Puis là, en plus, man, ils ont fait un genre de trou dans boîte à pizza pour crisser de la sauce marinara, mon truc. Chris, ça déménage en esti. Fait que quand tu déménages, pizza Salvatore, ooh, mon coco, c'est 24 heures. Fucking go. Ça part. Podcast number 7, la jambe féminine est en place. Podcast 5 à 7. Il y en a une qui vient de Charny, mon coco. Let's fucking go! C'est bon? Yeah! Yeah! C'est le moment. OK, je dois interrompre le podcast 2 secondes. Malheureusement, vous avez vu dans le podcast le petit micro que j'ai ici. Ben, il a décidé de pas marcher. Fait que tout le long du podcast, on m'entendra pas très bien, mais on entend. J'ai patenté une petite magie au montage. C'est quand même bon, puis pour vrai... À ce jour, je pense que c'est notre meilleur podcast. Fait que vous allez vraiment triper, rester jusqu'à la fin. Puis ça n'arrivera plus, des problèmes de même. On a tout acheté le stock pour plus que ça arrive. On était juste un peu trop BS avant. Fait que bonne écoute, puis désolé encore pour le mec qui marche pas. Tu pensais que c'était nous autres, si, voici. Non, il y a déjà TikTok la semaine passée, je me suis fait ramasser parce que j'arrêtais pas de dire que moi j'aimais un gars qui gagnait 6 gros peines. En joke! Faut écouter l'épisode pour comprendre la joke. Tout le monde a dit que j'étais une fille pas de classe. Mangez la mort. Bon, t'as le droit d'aimer ça. Ah ouais? Tu t'es fait hate pour ça? Mm-hmm. Et non, je fais hate pour tout, esti, sur TikTok. C'est juste parce qu'on pose les pires extraits, là. Moi, s'il y a un gars qui est précoce, c'est pas que des affaires, tu te décolles. Qu'est-ce que vous avez contre des gars précoces, tabarnak, hein? Tu peux c'est plein, prends tes affaires des grises. J'en connais un qui. Il se fait juste se déshabiller puis il s'endort avant. Il est crotté. Non, mais il pourrait être un gars précoce, tu n'as rien contre si tu te donnes à 100% après. T'sais. Bon, ben Chris, c'est ça. C'est une bonne réponse. Charny, vous êtes des nazes, tabarnak. Hey, wow! Aïe, t'as une réputation, Draper. Hein? La réputation de Charny, vous êtes pas bon, ça, là? Vous êtes pas bon! C'est ça qu'elle vient de dire. Elle a peut-être pas pris le bon repas dans le menu, mon Brady. Ah, c'est ça. Elle a pas pris du pizza Salvatore. Non! Croûte farci, mon coco. Ouais, toujours. C'est toujours commencé avec nous. Ça roule. Bon, ben c'est ça. Fait que là, vous autres, vous animez un podcast. Comment ça a parti tout ça? C'est comment vous avez commencé le projet? Ben, présentez-vous tout d'abord. Ben oui, c'est vrai. Moi, c'est Rose. Yo. Moi, c'est Jess. Ben, c'est tout ce qu'on a dit sur nous autres. On aime bien s'exiger. Ah, faudrait peut-être moi, c'est Rose, moi, c'est Jess, puis vous êtes au 5 à 7 podcast. Oui. Ben, veux-tu qu'on fasse notre intro, genre? Ouais, faites ça. Ah, ouais, faites votre intro. Tu commences. Parce que nous autres, on en a pas. Bienvenue au 5 à 7 podcast. Le podcast des enseignants de réussir, votre vingtaine. Aujourd'hui, on reçoit qui au podcast, Jess? Personne. On reçoit Jess et Rose. On reçoit Jess et Rose sur GND Productions. Exactement. Le podcast prend un nom et écrit sa break. Ok, moi, j'ai une question pour vous autres, les gars. Vas-y. Êtes-vous, okay, êtes-vous célibataire? Yes. Non. De temps en temps. Ouais. Moi, je suis célibataire. Lui, il est ouais, en couple. Moi aussi, je suis célibataire. Non, je suis célibataire. C'est pas ça que tu as frenché une chinoise la semaine passée. Ouais, il est tombé. Ça faisait partie de l'épisode que j'ai vu. Là. Ouais, mais c'est parce qu'il tombe en amour rapidement. Je. Ouais, c'est ça. Les aimes-tu? Un peu red flag. Ben, ça dépend quand tu le vois. C'est un goût de tomber en amour une soirée. Amour rapide, dans tes sens du terme. Ouais, c'est ça. J'ai un petit lit. Vous autres, êtes-vous en couple? Moi, oui. Non. Cool. Vous slide dans mes DM si vous êtes cute, vous êtes pas creep. C'est ma seule condition. Et si vous voulez pas vite. Surtout, hein. Bon, ben, exactement, c'est moi, je slide pas, t'inquiète. Toi, tu viens vite, elle veut rien savoir. Moi, je viens de Charny, elle veut rien savoir. Fait que... Elle a beaucoup de critères, hein. Emile, tout repose sur toi, c'est aujourd'hui, hein. Parfait. C'est notre plus cute en plus. Le maillon fort du groupe. Ah, je dirais pas ça de même, mais en tout cas. Ah, mais moi, j'avais une question, tu viens de mentionner ça. Vous pensez quoi de la prostate, les gars, vous autres? Ouais. Est-ce que vous expérimentez avec ça? C'est notre combat sur le podcast, lui. Ouais. Eh, tabarnak. Ben. J'ai pas toi, de ton talon, là, tu me fais peur en aussi. Ouais, ton talon, ça attend. Parce que Rick Hard, il s'est fait crisser un talon dans le cul par Hélène Boudreau dernièrement. Ouais. Ok. Ouais, je voulais savoir ce que je pense de la prostate. Il a filmé une scène sur OnlyFans. Ah, ouais. Mmh. Ça doit faire mal. C'est pour ça que, avec tes talons, je suis comme. En tout cas. Donc, 2 jours avant de venir à notre podcast. T'as pas envie que je me mette dans le cul, Frank? Y a-tu resté assis? Je pense pas que ça se rende à ma. À ta raie. À ma prostate. Rose! Ils t'ont coûté 11,75 ou? Ou Renaissance. Ah, ouais, ça, c'est. Ah, c'est des... Nous, on fait du recyclage, c'est des costumes. Ouais. Mais... Comme avec les gars, man, on recycle. Moi, j'ai recyclé les boys de mes amis. C'est des qu'on recycle là. Oh, ouais. C'est juste un combat de vie.
Là, je fucking go, man. Ok, ouais, t'es pas sur la prostate aussi, on y revient. Ouais, tu veux que j'en revienne à ma prostate? Je me suis jamais rendu jusque-là. C'est vrai? Ouais. T'as quel âge? 30? Ouais. Mais non, mais. T'es jamais fait fourrer par une fille avec un strap-on dans le cul? Non, c'est ça. Non. La fille s'est jamais rendue à ma prostate, mais on a déjà joué. On a déjà fait de la boîte ensemble. Ouais. Comment tu sais que ça se rend à ta prostate? C'est ton point G, non? Non, ouais. Mm-hmm. Tu le sens. Es-tu déjà venu à cause de ça? De ta prostate? Non, non, non. Ben, comme je viens de te dire, il n'y a jamais personne qui s'est rendu. Ouais, ça a l'air que l'orgasme est bien plus fort. 10 fois plus fort. Mais juste de jouer là, c'est bien plus excitant que de juste. Juste pas jouer là. Ouais, c'est ça. Mm. Mais moi, tu sais, j'ai été 8 ans en couple avec la même fille, puis 3 ans avec un autre. Fait qu'à un moment donné, du sexe normal. T'as envie d'essayer d'autres choses. Moi, j'ai le tout de Chris, moi, je suis le missionnaire. Ça fait un job ici. Un petit doigt ou 8. C'est le missionnaire, man. J'ai pas ça ici. Oui, il y a un bébé dans le coin ici. Tu peux te regarder dans les yeux, t'es belle, tu te flattes. Ouais. Hey. Mais le missionnaire, c'est le fun. Ouais. Moi, je cherche l'amour. C'est un gars qui dit je t'aime pas mal. C'est pour ça que t'es habillé de même, l'amour dans le prix. Oui, calé. Asti, que t'es l'enfer, toi. Mais missionnaire, c'est parce que c'est le fun, mais au bout de 8 ans, je comprends Frank, la monnaie, t'en reviens de regarder ta blonde dans les yeux et de dire tu l'aimes, là, t'as envie de te faire. T'as envie de te faire manger à rêve à un moment donné. Je lui ramène une fille du shaker, d'après moi, il fait le missionnaire et il dit je t'aime. Ouais. Ben, la dernière fille qui a ramené, il s'est endormi à poil sur son lit, le bat à l'heure de même. Arc. J'aurais dit, prends tes affaires, tu décolles. Ouais, mais il était chez eux. Fait que c'est elle qui a pris ses affaires. J'avoue. Toi, Gino aussi, ta prostate. Jamais rendu là non plus. Hey, j'ai pas ça, Gino. Gino, ouais, j'aime bien ça. Gino, no prostate. Quoi? Jamais eu la chance. Mais tu t'es déjà fait manger le cul. Ouais. Comment vous réagissez? Si, mettons, tu ramènes une fille de shaker, puis elle a dit comme, moi, je suis Christmas into that. J'ai envie de te manger qui? Moi, ça serait bar open. Ben oui. Pas de trouver ça, Carlis. Ben oui. Surtout en revenant du shaker, je dis, elle est game. Assumez de mes achats. Carlis. Non, mais c'est vrai. Parce que moi, je lâche jamais le dancehall, hein. Je suis là de midi, de minuit à 3. T'es le gars qui a écrit sa grosse pote dans ses bras. À peu près ça. La révolteuse. Oh, Jesus, mes cœurs. J'appelle ça au pays des saveurs. Non, merci. Pas intéressé. Je vais aller au McDo à la place. Elle veut en parler, on va en parler, Carlis. Puis vous, votre prostate, parlez-nous-en donc. Mais nous, notre point G, il est pas là-dedans. Ah, les gars, on a déjà de la misère à trouver l'autre. Si on en verra pas, on va pas trop vous demander non plus. Hey, vous êtes pas. Attends, on va demander aux deux gars, aux deux jeunes. Est-ce que vous seriez capable d'identifier le point G de la femme? Oui. Big. Et si oui, comment l'exciter avec vos doigts? Peu importe, madame. Écoute, la question, j'ai pas écouté. Écoute ta question, là. C'est que tu nous exposes, toi, là. Ben non. Il est où le point G de la fille? Puis, si vous voulez y toucher avec votre doigt pour la stimuler... Comment vous faites? Comment vous vous y prenez? Ah, c'est un cours d'éducation sexuelle aujourd'hui. C'est... J'ai déjà été sexologue dans ça un Ça me fait plaisir. Vie. Je sais pas, man. Moi, je suis pas... J'espérais que tu répondes avant moi, man. Ouais. Genre, ben, regarde, moi, je vais consacrer ça en disant je suis pas une star au lit. On est top d'inaire, nous autres. Mais ça doit être le clitoris. C'est le clitoris. Mais non, c'est pas le clitoris. Non, mais oui, t'avais déjà la réponse. Tu pars du clitoris. Moi, j'ai tout le temps. Je travaille avec le clitoris, moi. Pose ta question à partir du clitoris. Parce qu'il y a des filles qui sont clitorisiennes, puis il y a des filles qui sont. Vaginales. Mais tu sais que le vaginal, c'est l'extension du clitoris. Le clitoris est à l'intérieur aussi. Oh, t'as pas réponse, hein? Non, je savais pas ça. Moi non plus. C'est une même affaire, là. C'est juste que c'est clitoris. Pourquoi on saurait ça? On n'a pas. Clitoris. Ni d'éducation sexuelle. Ouais. C'est ce qu'on voit à l'instant. C'est bon, ouais. Tabarnak de calice. Pourquoi on va couper ça? Yo, le jean fait effet pour beuf. Mais pas besoin. D'après moi, elle va me rendre. Ah non, mais tu sais, là, j'ai pitié pour toutes les filles que vous avez couché, les gars. Tabarnak. Non, non, mais on n'est pas. Ben, c'est pas parce que. Attends. C'est pas parce que tu sais pas que le clitoris, c'est fait avec la même structure que le vagin, que t'es nécessairement si pas bon que ça. C'est juste. C'est de la biologie que je connaissais pas. Je sais, mais est-ce que tu t'assures que ta partenaire vienne à chaque fois que tu couches avec? Je m'assure qu'elle ait du plaisir. Ouais, mais... C'est pas ça ma question! C'est pas ça ma question! Ben oui, là. Ben ok, oui, est-ce que tu détermines que ta partenaire a du plaisir par le verbal qu'elle fait ou.
Il dit, moi, je m'assure que ma partenaire a du plaisir, mais comment tu fais pour t'assurer de ça? Parce que tu poses la question ou tu y vas par déduction? On se fait ramasser. Non, mais parce que... Ouais, ça vire pas comme j'avais imaginé ce podcast-là. Et mec, t'as comme j'aime un gros pain, comme, oh, je m'aligne bien, ainsi, là. J'ai plus de plaisir, là. On écoute-tu une autre vidéo, Frank? Ben, c'est justement de ça qu'on parle, du plaisir féminin. T'assures comment? Par déduction? Tu y vas par le bruit qu'elle fait, whatever, ou tu y vas parce que tu le demandes? Ça se voit, là, quand quelqu'un aime ça quand quelqu'un aime pas ça. Non, mais t'en parles. Mais ça, moi, c'est le genre de discussion que t'as, là. Qu'est-ce que t'aimes, qu'est-ce que t'aimes pas. Tu sais, t'en parles après ou avant, là, ça. Ouais. Ça, c'est bon, ben non. Mais faut être pas complètement sous pour ça. Non, mais juste être à l'aise avec la fille. Tu sais, si c'est un one night, c'est sûr que j'aurais peut-être pas cette discussion-là. Tu sais, si c'est un one night avec une fille, j'irai pas avoir le debriefing après, qu'est-ce que t'aimes, qu'est-ce que t'aimes pas. Là, tu sais, là, on était un peu chaudant, on revient du bord, mettons. On en revient, là. Mais si c'est ta blonde ou une fille que tu fréquentes, ben, je pense que c'est important de jaser de ça. C'est juste de me rattraper. Oui, c'est bon, tout le monde non, pense bon, que j'ai un esti de loser. T'es remonté. Ah, c'est bon. Commence à sentir la maturité. Toi, Rose, qu'est-ce que t'allais dire quand il a dit ça paraît parce que la fille, ça paraît? T'allais dire de quoi? Ben, parce que, puis ça, c'était peut-être le problème de la gente féminine, mais je pense qu'en majeure partie, on fake, puis le bruit qu'on fait, c'est à partir de ce qu'on a vu. Mais c'est pas fake, c'est exagéré parce que, exagéré, mettons, quand on se touche, là, on n'est pas là, si à gueuler dans les rideaux. Ben, je gueule pas non plus, je fais pas le chant du coq, là, Chris, mais. Tu sais, le chant du coq. Pareil. Mais. Pas trop avec ça. C'est exactement. Si. Ouais, c'est bon ce que tu dis. Quand on est tout seul à la maison, on fait pas la même chose que quand on est à deux. Fait que comme c'est facile de dire ça paraît parce qu'on va pas faire le soldat Ryan. C'est quoi ça, le soldat Ryan? C'est... Tu bouges pas. Ouais. Mais c'est ça que j'allais dire. Fait que non, tu peux pas te fier là-dessus. Ça paraît parce que c'est facile. Ça semble paraître que la personne, elle va pas rester figée comme une piquette. Là. Okay, sinon, il y a un petit problème. Là, fait ouais. Que... Est-ce que ça vous est arrivé? Je suis en train de dire, OK, fuck, j'ai rien fait de bon toute ma vie. Je le sens que tu te remets en question. Je le vois dans tes yeux. Mais on fait ça pour vous autres, les filles. Parce que l'acte en tant que tel est toujours le fun, mais ce qu'on trouve plate des gars, c'est qu'ils s'assurent pas qu'on a le plaisir maximal. T'sais, vous autres, vous venez tout le temps. T'sais. Puis comme, tabarnak, il est préliminaire, là, ça peut-tu durer plus que deux minutes aussi? Là? Puis pas à sec, là. Ah, moi, je suis d'accord avec toi. Merci. J'ai fait des stories à cette semaine. J'étais comme, Chris, quand t'es obligé de te cracher dans la main parce que c'est sec, là, il y a peut-être une couple d'étapes d'autres affaires avant. Là. On a peut-être sauté une couple d'étapes. T'sais? Tabarnak. T'sais? OK. Puis ça vous arrive souvent de faker, vous? Moi, j'ai jamais faker un orgasme, mais tu sais. Non, mais tu fais pas nécessairement l'orgasme, mais tu sais. C'est une bonne question. C'est pas tant bon, mais tu fais comme pour donner au gars oui. Son sentiment de virilité mâle alpha. Moi, non. Moi, c'est plat, fait avec ton chum? Moi, je fais ça de Ryan. Toi, je comme Rose, cool, je prendre ma douche. As-tu déjà fait ça avec ton chum? OK, c'est moi qui contrôle under the boss. Oui. Ben, c'est toi qui as un chum. Moi, je trouve que, comparément à vous, c'est, mettons, moi, si c'est pas dans le lit pis tout, c'est rare que j'en retire le plaisir maximal. Tu sais, si on fait ça là, à Califourchon, sur la table de cuisine, là, j'en ai pas de fun parce que, comme, ça touche pas aux bonnes places. Puis genre, tu sais, c'est... Là, tu pas mais t'as du plaisir de l'acte en tant que pareil. J'ai du plaisir de l'acte, le fait que ça soit sur la table de cuisine, mais mettons, tu sais, à la fin, en dessous de l'évier. C'est ça. Ouais, moi, ça fait ce que tiens, j'aime de ta fun, réponse, t'sais. C'est que tu réponds pas à tout à ma question. Ouais, as-tu déjà faké avec ton chum? Oui ou non? J'ai jamais dit, genre, ah, oh, j'ai eu un orgasme, mettons. J'ai jamais faké un orgasme, mettons. Et t'as-tu crié plus fort que les autres fois? Non. Hey! Cool. Honnêtement, t'es tellement l'air d'une fille qui fait souvent des orgasmes. Non, mais vraiment pas. Vraiment pas, mais je trouve que vous, vous dites, hey, moi aussi, bonne chance pour un garage à du non, mais avez-vous déjà fait qu'un orgasme? Avec une fille? Hey, ouais, ça moi, j'ai déjà fait semblant de venir, ouais. Hey? Ouais, Moutou. Une fois, mais c'était un one night au bar, pis man, ça marchait pas en tout. Là, comme... Moutou, c'était ça. T'sais, c'était juste pour que ça passe à autre chose. Là. C'était pas par. Manque de respect pour la fille ni pour personne. Qu'est-ce c'est que tu m'as fait juste... t'es étonné. Ouais, je te. Ah, c'est quoi, t'as vraiment fait t'as fait. Ben, c'est... parce que. Ouais, mais... mais lui, il vient de même. C'est vrai! Tu sais, l'homme dans Shrek. C'est à peu près ça. Calice. Le cri de l'ours, man. Pourquoi, mettons, ça marchait pas avec la fille? Qu'est-ce que tu trouvais qui marchait pas? Mais là, quand ça fait Chris. 45 minutes que tu donnes à gaz à côté, là, ta graine en charpie, là, ça va être bon. Là. C'est quoi? Ça devrait arrêter. Ça puis toi? Ouais, mais pas 45 minutes avec les préliminaires, là, 45 minutes de, oui, oui. De rénovation. Là. C'est quoi le temps idéal pour des filles? Ça dépend vraiment de chaque personne, je pense. Parce que, Rose, vas-y, j'ai une réponse ferme à toi, je le sais. Ben. S'il y en a une qui peut dire 5 minutes dans la gang, ça ferait notre plaisir. Moi, j'aime. Mais ça dépend. 10 minutes, plusieurs fois. Ouais, moi, ça me dérange pas le temps que ça dure, le temps que je vienne. Ça me dérange pas. Ça pourrait durer. Ça peut durer deux minutes, mais. Tu sais, mettons. Fait crissement des préliminaires. Ouais. Ça peut durer deux minutes si, mettons, tu m'as fait un esti bon cuny. Ça me dérange pas, c'est pas grave. Ton chum, tu fais-tu venir à toutes les fois? Non.
Est-ce qu'il s'en préoccupe? C'est quoi son nom? Mais je pense que c'est normal de pas venir. Ben, peut-être pas normal. Là. Non, pas normal. C'est pas ça que je veux dire. Mais c'est comme la norme de pas venir des fois parce que c'est vrai que ça prend plus de temps. Tout. Fait que c'est vrai que genre en 5 minutes à la table de cuisine, moi, je viendrai jamais. Genre. Ouais, pareil. Mais tu sais, quand il fait ça 5 minutes à la table de cuisine, il te donne-tu des prélis avant? Parce que c'est beaucoup de là que ça stimule. Tu sais, les clitoris, c'est besoin de stimuler 20 minutes avant d'être à son certain maximum pour donner plus de plaisir. T'sais. Mais pour vrai, même là, genre, j'ai dit là. Tu as dit que ça, je savais pas non plus. Ah ouais, ouais, ouais c'est. C'est moi qui fais le montage. Jay prend des notes. Il parlera pas minutes. Du podcast. Ah oui, ah oui. Tu sais, fait que si tu t'offres pas longtemps, man, un petit 20 minutes au début, un petit 20 minutes à la fin, à la limite, c'est préliminaire. Donne-toi et tabarnak. Hey, je t'offre quand même pas pire, ouais, de ça, je suis bien good. C'était des jokes que je faisais. Je suis pas bon, mais je Mais c'est vous qu'est-ce qu'on a su cette semaine? Ben, pas si, là. Oui. On a su, ben, Jess, rectifie-moi, mais que si tu pouvais comme t'entraîner, genre, que mettons, si c'est parce qu'à chaque fois, tu sais, t'es genre précoce, puis tu viens vite, puis à chaque fois, tu viens vite, puis ça arrête la relation, ben après ça, parce que donc, tu viens corps, ton muscle, il est genre habitué à ce que si tu viens, ben tu vas débander, genre, mais si tu te pratiques à venir puis rebander après, ben ça va être plus facile pour mettons toi. Mais donc, tu viens puis tu continues, genre, ton cerveau enregistre que tu peux continuer à venir plusieurs fois de suite sans débander. Ouais. Mais je pense... Tu peux venir plusieurs fois de suite. Moi, quand je suis venu... Oui, quand je suis venu. Quand je suis venu, je suis tanné. Ben moi aussi, je suis de même. C'est ça, là, tu sais, quand je suis venu, c'est good. Tu sais, au pire, donne-moi 15 minutes, là. Une demi-heure, à la limite, puis je vais repartir. Mais Chris, back to back, je sais pas. Je suis pas tant... Moi, tu sais, parce que tantôt, t'as dit ça, Jess, c'est genre... Ah, 10 minutes plusieurs fois. Tu sais, moi, ça me tente pas tant. Genre, j'ai fait une fois, puis c'est correct. Ben, ça me tente pas tant, c'est moi, Ben c'est ça, la sexualité, c'est propre à chacun. Puis oui. Avec le partenaire que t'es aussi, là, si t'es avec un gros cochon, ça va se passer plus. Si t'es avec un romantique, ça va être romantique. Ça, ça dépend, là. Mais ça, tu sais que c'est un faux dilemme, hein? Parce que le romantique peut être un petit cochon pareil. Ouais, mais je fais juste dire si ça dépend de la personne, tout simplement. Ouais. Mais oui, je suis d'accord avec toi. C'est quoi, vous les filles, c'est quoi votre pire expérience sur lui? Ah oh, mon dieu, ben là, moi j'en ai deux bonnes à compter. Oui, ben vas-y avant moi. Je vais passer à si je la compte. À un moment donné, j'avais rencontré un gars dans un bar. C'était le frère d'une fille avec qui je travaillais. Puis il était vraiment plus vieux. Mais vraiment, s'il y avait genre. Je peux pas y aller, genre 30 ans. 30, genre. Genre. Puis. Bon, mais là, mais il était beaucoup plus vieux que moi quand même. Là. Puis dans le temps, j'avais 28. 28, oui. Puis là, finalement, j'étais sur ça au bar. Puis j'avais mis une robe blanche, fait que là, je pouvais pas mettre de bobette, fait que j'avais pas mis de bobette. Puis là, j'étais revenue avec, ça s'était comme passé dans le taxi, puis tout, genre. Puis après ça, arrivé à la maison, c'était comme, moi, je pouvais pas le toucher, genre, il voulait comme pas m'embrasser. Puis là, il me disait, dans le temps, j'étais blonde platine, que genre, il trouvait vraiment pas ça beau, les filles blondes. Et comme ça, il dit, les filles blondes, c'est pas les femmes à marier, t'es une stiquidou, n'assois pas de bobette, t'es ouais, une c'est de facile, aucun respect pour toi-même. Il me roastait, genre, à cause que j'avais pas mis de bobette, tout, mais c'était comme vraiment juste une question de, c'est parce que ma robe était blanche, j'ai convoyé mon G-string à travers, là. Ouais. Là, moi, j'étais levée, c'est une joke, tabarnak, là. Fait que finalement... T'as serré une claque dans la face aussi sans ton consentement. Ouais, là, après ça, c'était, il était comme vraiment à full brusque avec moi, mais tu sais, genre, c'est... Je suis un squelette. La toupie québécoise. Comme, hein? Oui, ça me tente pas de me faire faire et me faire brosser la cage, là. Puis en plus, on se connaît même pas. Fait que bref, ça avait été ça. Puis après ça, quand le matin, je m'étais levée, il avait ouvert son cell, puis il y avait une photo avec un bébé dans les bras. Puis j'ai dit... Mais t'as couché, là, quand pourquoi t'as couché avec? Oui, c'était chez nous. Vous avez pas couché ensemble? Pourquoi il t'a claqué dans la face, ici? Oui, on couche ensemble. C'est soir là on a couché ensemble? Ou c'est l'autre d'après, on a couché ensemble? T'as dit, hey. Au début, tu disais, hey, ouais, wow, ça a duré fucking longtemps, le gars, il était crissement à l'écoute, j'avais rien à faire. Mais ça, tu me comptes ton affaire, j'étais le rose, c'était un petit non, peu. Non, non, t'as peur, parce que je l'ai revu après ça. Oui. Pourquoi tu l'as revu? Ben, je conne, tabarnak. Oui. OK. C'est ça, c'est. Fait que là, je l'ai revu après ça, puis c'était l'enfer là, moi j'avais pas le droit de le toucher pis tout. Fait que là, au début, j'étais comme, j'étais contente, moi, j'ai rien à faire. Rien j'aime bien ça, moi aussi, avoir rien à faire. Ben, bref. Ouais, avec. À la pioche. Ouais. Yeah. Ma deuxième fois, j'avais, à un moment donné, j'avais couché avec un gars, puis j'étais allée chez eux, puis il habitait chez ses parents. Mm. Puis de un, ça, en tout cas. Il habitait chez ses parents, puis on avait couché ensemble, puis après ça, il m'avait dit, s'il y avait un lit simple, genre, puis il m'avait dit. Lisse-moi. Ouais. Il était comme, hey, j'ai vraiment chaud, choqué. Il avait ouvert un tiroir en dessous de son lit. Tu sais, c'était un lit avec un tiroir, puis tu avais un autre lit. Il m'avait dit, si tu pourrais coucher dans le lit en bas. Tu pognes pas des champions, toi? Ça, là! Ouais, non, vraiment, là, j'ai pas une bonne moyenne. Là. Tu devrais te pogner des gars de Charny. Ça t'arriverait pas. Je sais pas, moi, ça serait quoi ma pire. Ben, je sais, c'est quoi ma pire pire, mettons, mais comme. T'as pas envie de la compter? Ben, je sais pas, c'est chien pour lui? Non. Ben non. Ben non. Ben non. C'est pas chien, pas en tout. Ouais, oh non. Il y a personne qui voit ce podcast-là, il est juste numéro 1 au Québec. Bon, c'est vrai, ça?
Ben oui. Si on le dit, c'est vrai. Si on le dit, c'est pas c'est vrai. Puis aussi dans le top 1 des plus G aussi. Ouais, dans la charte des plus G, on la est numéro 1. Gang. On n'est pas des campers. Non. Ouais. Non. Hey, je... Attends. Bref, j'avais couché avec un de mes amis à un moment donné. Puis les deux, c'est qualifié du pire sexe de notre vie. C'est très entendu, donc c'est pas si grave. Je sais pas si vous avez déjà couché avec une de vos amis. De vos bonnes amies, mettons. Pas assez proche, mais non. Bonne crise de chum, là. Ben, c'est un peu bizarre parce que tu réalises que ton ami, tu veux pas nécessairement le voir tout nu, surtout quand t'es à jeun. Genre, moi, je voudrais pas voir tout nu, là. Même seul, là. Moi, je te le laisse, mais comme. Je sais pas. Pas toujours tout nu. Puis on s'est mis à coucher ensemble. On s'est mis à se French. En fait, on se French, plus à. On dirait deux novices qui avaient jamais Frenché leur vie. Je comprends ça. Oui, vas-y. Nous autres, quand on se pratique, parce qu'on fait quand même beaucoup de pratique, notre podcast, là, ben on se met à graine à l'heure. Ouais. Ouais, mais vous avez le droit, les gars. Ça nous sécurise d'être tous tout nus. Moi, puis Rose, on donne les fous de coller, man. Ça nous aide d'être à l'aise, on se regarde dans les yeux. Ouais, on est tout nus, les trois, puis on fait des pratiques de podcast, pas de cam, là, tu sais, on n'est pas creepy. Je suis là, le bat à l'heure. Ouais. Hein? Mais non. Ouais. Non. C'est comme. Les gars, t'as une icône plein d'histoires, d'histoire, puis on est ah ouais! Non, mais ça, c'est vrai. N'importe quoi, genre, mon père, c'est le roi, genre, de. Ah ouais, ok. On va l'Espagne. Ouais. C'est là que ça vient, Gino. C'est exact. Espagne. Continue ton histoire. Fait que c'est ça, fait que là, on se dit, Chris, ça fait longtemps qu'on est amis, on est en COVID. C'est bien frenché, tu sais. On se french. Pas grande chimie, mais ça passait pas au bat. Je me disais, Chris, on dirait deux ados qui ont jamais frenché leur colis de vie, tu sais. Là, on s'arrête, on se regarde, j'étais là, qu'est-ce que tu fais? Qu'est-ce que tu fais? Quand t'es comme, bah, y a pas de chimie. Aucune raison, on s'est dit, ah, vas-tu voir jusqu'où c'est bad? C'était bad jusqu'à la fin. Spoiler alert, ah, là. Ouais. Ah, c'était malaisant, là. Mauvais, tout. Là. Tout. Genre, ça frenchait pas bien. Après, tout. C'est un gars de jeu. Tu m'oublettes les mains. Tout. Non, mais c'est parce que tu veux comme pas te voir, tu sais. Mais l'histoire, c'est que moi, j'avais déjà couché avec ce gars-là. Puis, tu sais, oh là, là. Ouais, tu sais. Vous avez changé les gars de temps. Vous êtes. J'ai une conscience environnementale, je fais beaucoup de recyclage. Oui. Okay. Chris, ça me dérange pas, on partage tout. Ouais, puis là, je tiens à dire, parce qu'il y a beaucoup de monde qui pensait. Il y a beaucoup de monde qui m'en parle et qui disent que j'étais joué dans le dos, mais j'ai toujours été d'un fucking honnête, là. Non, mais dans le sens que, tu sais, je t'avais déjà dit, mettons, ah, oh, tu sais, c'est du bon sexe qu'on a ensemble, genre. Ah oui, oui. Ouais, c'est ça que je voulais rajouter à ton histoire. Les doigts magiques. Moi, j'ai pas eu grand magie. J'ai pas vu Luc Langevin, là, ce soir, là. Non, mais ce qui se passait, c'est qu'on frenchait mal, puis quand on faisait, mettons, des prélis, on dirait qu'on sentait rien, genre, puis comme. C'était pas dans le mot. Il y avait aucune chimie sexuelle. On était genre deux soldats Ryan qui étaient comme. Ouais. Fait que là, on finit de notre patente, là. On fait. Ouais. Puis là, moi, je me disais, Chris, moi, je vais pouvoir spooner. Si, me faire dire que je suis belle dans l'oreille. Il me dit, décolle. J'ai chaud. Fait que je me décolle un petit peu. Il me dit, non, il dit, décolle plus. Je sens encore ton hérisson, tabarnak. Tabarnak. Je me suis rosé avant hier, là. Comme slack un tour, capitaine aussi. Tabarnak. Ça, c'était un de tes amis en plus. Ouais. C'est un gars de. Ouais. Je peux-tu prendre des guesses? Ouais, mais on va peut-être le couper au montage. Mais oui, tu peux prendre les gars. Je pense que c'est qui? Qui? Oui! Tabarnak! Premier nom, il l'a eu. Comment je sais ça? Je sais. C'était mon guess. C'est un feeling. Tu nous as stalké sur Instagram? Non, c'est Jack qui m'a parlé de ça, mon collègue. Mais je pense pas qu'il savait. Je pense pas qu'il savait que vous avez couché ensemble, mais il savait que. Il sait parce qu'il a vu mon ami l'autre fois au bar qui travaillait, puis il a dit, ah, ben là, oui, il a couché avec. Ça fait un an. Ah, si, ça se peut. Mais je me rappelais qu'il m'avait raconté de quoi de même, mais je sais pas, j'avais plus les détails. Vous avez raconté les détails? Non, non, c'est ça, j'avais pas les détails, mais je me rappelais qu'il m'avait raconté une histoire de même. Mais c'était une histoire d'hérisson, il me semble, qu'il avait dit. Ouais, c'est ça, il avait dit, elle avait un esti d'hérisson pas rasé. Ça, parlant de poêle. Hein? Parlant de poêle, vous autres. Tu sais, vous savez que vous situez là-dedans, genre. Ça me stresse tellement pas tant que ça, là. Non? Jamais je dirais une fille, yo, si t'es pas rasé depuis deux jours. Ouais, non, jamais. Je m'en calais, ça en a une. Peut-être avec une grosse touffe que je ferais le saut, ça m'est jamais arrivé. Je sais pas comment je réagirais. Elle dit de même, la grosse touffe. Mais genre, je la mangerais pas, mettons, s'il y a une grosse touffe. Mais comme n'importe qui, moi, le gars qui s'est pas rasé, j'aurais pu manger. Avec 4-5 shooters dans le corps, man, je suis tout terrain en tabarnak. Il se transforme en Jeep aussi. Mais mettons, toi, là, tu dis qu'il frenchait mal. Toi, tu vois-tu qu'il frenchait mal? Non. Non, mais c'est vraiment non, mais... de connexion. Mmh. Ben, hey, oui. C'était nous, genre. Parce que moi non plus, quand on couchait ensemble, j'étais pas A1, j'étais pas okay, Céline Dion 6. C'était mal aimé. Oui, oui, oui. Okay, c'est très ça. Entendu. Il y avait rien. C'était pas lui, c'était nous. Okay. Parce qu'on s'en. Ça marchait juste pas. Là. On s'en frenchait une autre fois après, puis c'était bien le fun. Fait comme. T'as raison, c'était même une histoire de connexion, genre de comme vibe ou. Pour rendre ça. C'est cool, là. Parce que, mettons, moi, j'étais frencherais, là. C'est. Juste à te dire, j'ai dégueulé dans la bouche, mais comme. Je t'aime. Je suis le cuir, tabarnak, là. Un peu de pression, ça. Ouais, mais je suis encore célibataire. C'est attends, la vie de célibataire. T'aimes-tu ça être célibataire, toi, Guzel? Ouais. Ouais, parce que je trouve que la chose que j'ai eu tendance à enchaîner les relations toxiques. Une fois que t'es célibataire, même, t'as la calice de paix, là. Et c'est inestimable. Je cherchais mon mot, inestimable. Ça va prendre quoi pour toi de.
pour un gars de... Je pense là, je cherche juste, ben tu sais, tout l'aspect connexion puis tout, mais mettons que je commence à avoir quelqu'un, je veux quelqu'un qui fait des efforts puis qui est open, vulnérable, qui est prêt à communiquer puis juste faire des efforts, c'est ça qui turn on, genre. Genre, puis j'ai vraiment développé un autre aspect, comme, si tu me textes pas puis tu me ghostes, c'est quoi? C'est pas mon esti de problème. Prends tes affaires, puis décalisse, là. Genre, je te courais pas après, puis avant, j'avais ce réflexe-là d'être comme, il peut pas me quitter, genre, c'est moi, genre, texte, comment je peux le revoir? Hey, tu ne trouves pas que je suis une femme fantastique? C'est ton esti de problème, man. Too bad for you, là. Je sais ce que je vaux, je sais ce que je peux apporter à quelqu'un, puis je sais ce que je mérite, man. C'est ça que je veux, tu sais. Ce que tu veux. Ben, c'est bon. Belle Valissi. Mais quoi? Belle, il a dit à Lucie Réaume, tu sais ce que tu veux. Et je sais ce que tu veux. Oui? C'est bon. On peut prendre un break. Ouais. Ouais, on va prendre un petit break. On va se pogner une petite pide salvatore. On sait jamais quoi faire. Bon, voulez-vous qu'on arrête de parler de cul? Pointez-vous, la pide vient d'arriver, Michel. On va aller voir ce qu'on s'est commandé. Wakashi! Pizza Salvatore, c'est la meilleure. C'est ma plaque. T'as-tu changé ton nom juste avant d'avoir ta plaque? C'est parce que il te donne un code, quand tu pognes 100 000, il te donne un code, puis là après ça, tu rentres ton code, puis tu peux choisir qu'est-ce que t'as écrit là-dessus. Moi, j'ai écrit le plus près au Québec. C'est quand même nice. C'est con, hein? C'est rare qu'on ait une avec un break à un moment donné. Oui, on va en avoir une. Il y a juste Mike Ward comme podcast. Avant la fin de l'année, on va être à 100 000. Avant la fin de l'année. Il rit de nous parce qu'on savait pas que le clitoris était relié dans le vagin. Ouais! Chris, c'est ça, on est censé savoir ça pour vous. C'est ça, mais tu sais, c'est stupide de pas savoir. Moi, j'écoutais pas à l'école, là. Fait que. C'est pas une histoire, mais non! Ouais, Chris, on l'apprend en même temps que vous à la maison, je cherchais pas le seul. Tu montrais à Aimé par la pause à quoi ça ressemblait à le clitoris, pour de vrai. Il était bien surpris. Elle part en dessous? Ouais, elle part en dessous. Non, mais genre, toute l'affaire. L'anatomie. L'affaire part en dessous. Émile? Toute l'affaire. C'est pertinent. Ouais, mon petit oncle était. C'est pas pertinent. Ah, oh, ouais, on dirait un pingouin. Tu nous dis quand ça part? C'est vrai, là. Tu penses que combien de temps? Qui se masturbe plus entre des gars et des filles, selon vous? Sûrement moi. Sûrement Jess. C'est quoi ta fréquence? Ça doit. Mettons en moyenne 4 fois par jour. Oh, Chris! Ouais, tu gagnes, esti! Ouais, mais je disais, quand je suis seule, ça me prend une minute, là. Une minute? Ouais, c'est vrai. Okay. Une à 5 minutes, là. Cinq minutes, c'est parce que tu te donnes, tu sais. Ouais, tu sais, je prends le temps, là, tu sais. Mais c'est pour ça que des fois, on veut pas trop vous mettre de la pression, parce que, tu sais, on est comme... Même nous, on demande tellement d'attention puis de tendresse puis tout, mais on est même pas capable de s'adonner à nous autres, tu sais. Nous, c'est genre... Bon, OK, je m'en vais à mon cours dans 5 minutes. Bon, j'ai le temps, si, là, tu swings ça dans... Fait que là, dans le fond, vous autres, vous êtes les animatrices du 5 à 7 podcast. Comment ça a parti, ce projet-là? Vous êtes amis depuis longtemps? Ou... C'est vrai, c'est ta première question que t'as posée. Ah oui, on n'avait pas répondu. Oui, on a parlé de cul tout le long, mais là, mettons qu'on ramène. La business, vas-y, Rose. Ben nous, on est amis depuis 16 ans, aujourd'hui. Ça fait, j'ai réfléchi tantôt, ça fait 18. Bon, 18, ça fait 3 ans qu'on dit 16 ans. On est amis depuis qu'on a 5 ans, puis on habite, là, on est coloc ensemble, puis pendant le COVID, on n'avait rien à faire, fait que... On était un peu comme vous autres, là, comme vous disiez, on avait tout le temps des ce qu'on aimait, c'était ce qu'on aimait manger en appart d'ailleurs. La pizza! Oh! Oh! Il y a eu! Salvatore, c'est la meilleure. Hey, de tantôt que ça chauffe, ça sent bon. Ça sent tellement bon. Ah oui. Spécial new-yorkaise. Y a-tu du fromage dans le croûte ou j'hallucine? Ben oui, c'est farci. Toujours croûte farci. Hey, wow! Hey, ça, les gars, moi, ça me fait venir. Il me fait triper. Ah ouais. Nettoyer le divan. Pas besoin. Tu vas juste avoir besoin de crosser 3 fois aujourd'hui. Laisse-moi qu'il y a une go. On va t'en donner 2 parce que t'es en couple. T'as besoin de venir plus, trop. Ah, c'est ça. Tabarnak, les gars. T'as d'énergie, puis t'as mon pauvre. Oui, moi, j'étais encore tout crush de hier. Je vais garder la sauce mousse. Thanks, bro, man. C'est un drip pop-up. Fait que bref, oui, c'est à partir de là. T'es un peu rose? T'es un peu, ouais, excusez. On t'en prie. On fait toujours les histoires, mais moi, Mélissa, genre Jésus-Christ, sauf quand on demande de parler nous autres. Non, mais là, tu sais, je vais pas faire l'histoire, mais Mélissa, Jésus-Christ, parce que c'est pas super pertinent. C'est la mienne? Ça me fait plaisir, c'est à vous. Il y en a d'autres. Ou c'est impossible que je partage ma pizza à la théorie. Ouais, fucking bonne. Qu'est-ce que vous en pensez de la pizza? Elle est déçueuse. Façon new-yorkaise, c'est votre joke ou pas, les filles? Ouais, j'aime bien ça. J'aime bien ça. Moi, j'aime ça, c'est avec des légumes. C'est ça, des pépernis? Mais j'aime ça une tout garnie d'habitude. Mais ça va faire le job. J'ai juste pris des pepperoni fromage. Ben ouais. Et je me disais, quand je suis au cégep, là, à chaque fois qu'on sortait au shaker, puis tout, hey, on finissait là. Ça va, t'as Fait que là, vous aviez 5 ans, vous vous étiez rencontrés,
Puis là, après, vous avez ouais, des Jérôme a dit, on fait pas l'histoire, mais 800 avant Jésus-Christ. Fait qu'on s'est rencontrés à la maternelle et on est devenus amis quand on a changé d'école. Whatever. Quand c'est parti notre podcast, en fait, on était en pandémie, comme tout le monde. Puis on a une idée de business qui va prendre plus de temps. Puis on s'était dit, tu sais, on n'est pas des gens connus, nous autres. On n'a pas fait OD, on n'a pas fait whatever what, on n'était pas sur YouTube ni nulle part. Puis j'avais dit à Rose pour, comme c'est bâti une communauté, une clientèle plus rapidement, il faut t'upgrade un TikTok, il faut t'upgrade un Instagram. Puis j'ai dit, en ce moment, ce qui pogne, c'est les podcasts. Ça, c'était il y a un an et demi. Puis Rose, elle écoutait pas partout de podcasts. Fait qu'on a essayé de faire, on a essayé d'upgrade son Instagram à elle, parce que moi, les photos, c'est pas mon fort. Puis on a essayé de partir un TikTok, qui n'est pas lui de 5 à 7, qui est un autre TikTok, qui est complètement pourri. Puis ça marchait pas, puis on se disait, ah, fait que là, moi, je poussais un peu mon idée, pas trop. Puis au début, je voulais faire ça sur l'entrepreneuriat. Puis j'avais déjà trouvé le nom, 5 à 7, c'est comme des 5 à 7 de job. Puis à un moment donné, moi et Rose, on jasait de relations toxiques, notre sujet préféré. Puis elle dit, Chris, pourquoi on fait pas ça sur la vingtaine? Genre, on a tellement de questions sur les relations toxiques, c'est quoi, les finances, c'est quoi, comment se partir en business. Les relations toxiques, c'est quoi, si? T'sais, toute cette affaire-là. Comme deux clowns qui se donnaient tout le temps des conseils, ouais. À minuit du soir autour de Vino. Autour d'une petite pizza, ça va tomber, mais on se donnait des conseils, puis ça valait pas de la merde. Fait que on s'est dit aussi bien faire le podcast là-dessus. Puis c'est là, c'est parti. Ouais. Puis, comment vous avez réussi à avoir des invités? Parce que je sais que quand. Tu sais, mettons, moi j'ai la chance d'être déjà un YouTuber, mais pour avoir des invités, quand je texte le monde sur IG ou whatever, ils voient le 77 000 à côté de mon nom. Mm-hmm. Mais vous autres, comment c'était quoi votre procédure? Mais le monde, là, sont genuinely fin, genre. C'est ça, j'ai comme réalisé. Ben, mettons, sur 30 personnes qu'on a écrites, il y en a 8 qui nous ont répondu. Pareil. Ben, tu sais, quand même. Très mais... fine, c'est quand même bon. Puis, tu sais, c'est du monde qui ont déjà des plateformes. Ils pourraient en avoir complètement rien à chier, nous autres, là, parce que, tu sais, pas nous autres qui va leur rapporter. Ils reçoivent beaucoup des messages de ce genre-là. Mais, aussi. En même temps, on a eu la chance que nous autres, l'UDS Gestion, l'Université de Sherbrooke, nous ont encadrés dès le début, fait que ça nous a donné une crédibilité. D'être comme on était un podcast affilié avec l'Université de Sherbrooke. Okay. Il y a ça qui nous a aidés. Puis, je pense, notre message était on a écrit des emails, puis comme on est live, c'est comme on était pas comme bonjour, monsieur Boulay, on aimerait vous recevoir. Tu sais, c'était comme. Charismatique, là, comme Ricanor, tu sais. Puis c'était qui, qui vous avez reçu dans des noms populaires, là, québécois? Ben, on a reçu Claudie Mercier. On a adoré Kat Bastien. Oui, on a reçu les Primo. On a Shit, Primo? Oui. Oh, ouais. Prime time, baby. C'est notre premier épisode. Mais, tu sais, ce qu'on a réalisé, c'est que c'est pas tant non plus l'invitant en tant que tel, c'est plus le sujet que tu y accordes, puis genre à quel point c'est intéressant. C'est sûr qu'on. Tu sais, nous, au début, on était comme. Ah, tu peux nier en podcast ou que tu reçoives en podcast. Des gros noms. Tu reçoives des gros noms, mais au final, le monde, ils veulent écouter des trucs qui leur plaisent et qu'ils les rejoignent. Ben, notre top 5 de podcasts, c'est populaire, personne n'a connu là-dedans. Mais aussi, j'ai l'impression que souvent, c'est que les gros noms, ils en ont déjà fait plein des podcasts. Fait que, tu sais, Martin et Matt, qui a déjà fait 6 podcasts, ça t'intéresse moins qu'un Rick Hard que t'as jamais vu parler pendant une heure, mettons. Exact. Je suis bien d'accord. Fait que c'est de là que ça partit. T'as-tu oublié quelque chose? Mais non, mais je me disais que. 5 à 7 podcasts dans 2 ans, c'est quoi? On a des projets qu'on veut pas dire live. Ben là, c'est pourquoi? Plug-toi? Ben, notre idée de business qu'on voulait se faire au début, que ça non plus, on l'a jamais dit, on en a parlé sur le podcast, on a jamais dit c'était quoi. On aimerait ça continuer à travailler là-dessus, mais c'est sûr que nous, on est à l'école temps plein, et qu'on a comme pas tant le temps. T'sais, déjà, le podcast, ça nous prend 30 heures semaine avec 5 cours. Puis moi, j'ai une autre compagnie aussi à part de ça, qui est juste à moi. Dans d'ailleurs, les gars, j'ai des cadeaux pour vous aussi. Hey, ah, t'es dans... Attends, moi, je sais. Chris, t'es wise en tabarnak parce que c'est. Le domaine qui est le plus en évolution sur les marchés. Hein? De quoi? De la chandelle. Tu sais que j'ai des chandelles? Ben là. Ah, moi, tu as fait des recherches aussi? Ouais. Ben oui. Ça aussi, c'est passé, la bonne histoire de. À Bourse, elle a éclaté les chandelles. Ouais, c'est ce qui a le plus éclaté, c'est les chandelles à Bourse. J'ai une. Parce que ça, c'est une idée éclairante, ça, de là. Ah, c'est vrai. Oui, là, on dirait que je me plug, c'est un peu ça aussi, mais j'ai un cadeau pour vous autres. Si. Puis je me suis passé une business qui s'appelle OK Bye, qui justement, c'est OK Bye à tout ce qui n'est pas fait pour toi, genre Know Your Worth. Puis genre, c'est des produits humoristiques aussi, beaucoup. C'était, au début, c'était des chandelles, d'ailleurs. J'avais parti ça après ma relation toxique. Oh, je m'étais dit, j'étais jamais assez occupée, genre, puis ça me faisait chier dans mes relations parce que j'attendais tout le temps après l'autre, puis j'étais comme, je veux pas dépendre de personne. Puis en pandémie, je me suis dit aussi bien partir une compagnie, chercher une idée. Puis à notre appart, ça sentait l'hostie de vidange 100% du temps. Genre, je sais pas ce qu'il y avait dans ces murs-là. Ça serait vraiment pas bon. Mais j'ai dit. Jeter les vieux condons, c'est une bonne idée. Ouais, pas besoin. Au lieu d'écrire ça dans le mur. Ouais, bon, si, hey. Fait que je me suis dit, Chris, on va partir des chandelles, ça nous coûtait fucking cher. Fait que je me suis parti des chandelles, puis c'est de là que c'est parti. Au début, c'était avec Nest. Comment tu fais ça, une chandelle? Hey, t'achètes de la cire, t'achètes des fragrances, tu fais fondre ça, tu mélanges, tu sniffes, tu mets une petite mèche. T'es fait toi-même? Ouais, tout en main. Hein. Tout vient de là. Il y a des jokes d'écrit dessus puis tout. Fait que, tu sais, mon but, là, c'est de répondre à la joie. Ricaner. Mais ricaner puis dites adieu aux relations. Ben, montre-nous comment on ricane. Montre-nous tes drip candles. Montre-nous ça. Mais j'ai un cadeau différent pour chacun de vous.
Frank, j'ai pensé à toi en faisant ça. Oh, tabarnak. Si j'ai de la merch humoristique aussi. Fait que là, let's fucking go. Fait que je le déballe en premier lieu. Déballe en premier lieu. On dirait que je suis PNL, genre. Wow. Ouais. Mais maudit qu'il contient ce sac-là, pareil, hein? Aïe, le tote bag, man. Ouais. Oh, Chris, une tasse? Ouais. Let's go. J'ai choisi un la personne qui voit dans cette tasse a un hostie de beau cul. Ça, c'est vrai, en tabarnak. Puis il va avoir une maudite belle journée. Ok, bye. Point ça. Ben oui. Parce que ton esti de fainéant de chum à qui t'es depuis deux ans qui donne plus de compliments, là. Hey, je peux-tu? Merci de me complimenter à tous mes jours. GNT, vu que t'es un red flag vivant. Aïe, tiens, mon chum. Pardon, merci. Je te donne le coup neck red flag. Il y a des red flags décrits sur la manche. Juste site. Je sais pas si tu pognes des relations toxiques, toi aussi, mais. Tu vas être averti de cette histoire. Je suis toxique. Ok. Un gars aware, au moins c'est déjà ça. Si je, même moi, est le centre de vos discussions, c'est juste non. Le gars qui a un podcast, une chaîne YouTube. Ouais, c'est ça, on dirait qu'il décrivait sa personnalité. Si ton entourage l'a eu direct en partant, part en courant. Ça, c'est vrai. Ça, c'est vrai. Ça, c'est mon premier ici. Si la relation n'a pas besoin d'être officialisée, redonne-y sa liberté. Y'a-tu plus de pédé? Si la relation n'a pas besoin d'être officialisée. Qu'est-ce que tu veux dire par si la relation n'a ben pas... Ben non, ça, si les mondes qui sont comme... T'as pas besoin d'étiquette, là. Pas besoin d'étiquette. Mais viens, c'est pas que ma famille vient faire partie avec mes amis à Noël, mais pas besoin d'étiquette. Hey! Pas besoin qu'on fasse... Prends tes affaires, pis décolles. Qu'est-ce que c'est quelqu'un qui va aller coucher ailleurs, dans le fond? C'est sûr. Ok, ok. Si t'entends mon ex était crazy, c'est pas l'amour de ta vie. Ouais. Oh. Oh, shit. Si Netflix and Chill semble être sa seule invitation, il n'y a pas matière à réflexion. Je t'en dis, ok, bye! En plus, ils sont pas genrés, fait que c'est gars, c'est pour tout le monde, man. Non, okay, non, interrompu. Puis, Emile, j'en ai. En fait, j'avais deux choix, j'hésitais. Ça, c'est ma nouvelle. Parce que vu que t'es un gars, peut-être en appart, c'est sûrement crotté chez vous. C'est vrai, c'est crotté. Merci. Je te donne ta chandelle, lève ton cul, puis nettoie. Qu'est-ce qui se passe, Matt? Hey, lève ton ça cul. Ça fait plaisir, nettoie, les gars. Fucking down. Merci beaucoup. Mais ça fait plaisir, sur ça, on peut continuer. La pause plus simple. OkBye.ca. ShopOkBye.ca. Attends, je vais leur dire. ShopOkBye.ca. C'est sur shopokbuy.ca. C'est original. Ça vient du Québec. Let's fucking go. On encourage ça. C'était comment avec Olivier Primo? On l'aime. Ouais? Ben, il est fou. Je trouve qu'il est tellement une belle. Il est vraiment business-minded, genre. Fait qu'il nous a appris plein d'affaires. Puis moi, ce que j'ai vraiment aimé de sa personnalité, c'est qu'il est tellement pas dans la compétition, tu sais. Je pense que c'est ça, genre, quand tu gagnes dans la vie, you focus on winning. Puis quand t'es un loser, genre, ben, tu focus sur les winners, genre. Fait que lui, il focus sur lui, mais il focus sur ses affaires, puis genre... Quand t'es un loser, tu fais des vidéos YouTube que tu goûtes à toute sa mort, puis tu le roast. As-tu fait ça? Je me considère pas comme un loser, premièrement. Puis je fais ça pour le contenu. Man. I know. Tu l'as... Tu à se faire manger par les filles de Shakers. Non, mais je pense que dans la vie... Là, j'ai pas regardé ton vidéo, mais comme, tu sais, il y a tellement de contenu à créer, puis il y a tellement de choses à faire que moi, j'aurais aucun avantage à faire une vidéo pour, genre, rabaisser d'autres personnes, tu sais. Fait que je trouve. Mais c'est pas lui que je rabaisse. Ouais, je goûte à ses produits, puis j'aime pas ses produits. C'est quoi, t'as goûté? Tous ses produits. Tu sais, ses produits congelés, le burger, la poutine, puis les Sizzler, puis pour vrai, moi, j'ai pas aimé ça. Fait que j'irais pas. Je l'ai pas déçu en disant que c'est un ci, un ça. C'est vraiment ses produits, je les aime pas. That's it, est-ce que t'aimes les produits congelés à base? Non. Chris, ça part mal. Ouais, mais le monde veut le savoir. Tout le monde me dit drip, goûte. Je goûte, moi, je suis là pour le peuple. Ça arrive. Tu réponds en demande du public. Non, mais c'est ça. C'est pas contre lui que je fais ça. C'est pour. Oui, j'imagine. C'est pour faire parler, faire des réactions. Là. Ouais. On est des gars avec des manques d'attention. Comme on goûte à toutes les chips. J'aime pas les frito-lés. C'est pas contre le gars de frito-lés. Là. Non, ça fait pas. Tu as d'autres bonnes questions de même? Fait que non, mais moi, ce que j'avais aimé de lui, c'est qu'il est pas tant dans la compétition, puis il aide tout le monde, genre, il est prêt à aider, genre, tout le monde qui demande, puis tout, fait que je trouve ça beau, puis je trouve qu'au final, dans la vie, ça te revient toujours, genre, ça, ce mindset-là. Il a pris le temps de venir sur le podcast, puis ouais. Il était bien gentil. Fait que quand tu donnes, ça te revient dans la vie, mais quand tu donnes pas, ben les autres t'en donnent pas en retour. T'appellerais-tu ça la loi de l'attraction? Oui! Peut-être. Au début, quand j'ai parti à Québec, ça s'appelait Attraction Candles. C'était en anglais, puis il y a des cristaux, parce que j'étais tombée dans la loi d'attraction. Après une relation toxique, je me dis non, j'en tire plus ça, man. Voilà, ça va faire fini. Merci de nous avoir partagé ta vie. Je suis bien spirituel, man. Moi, je suis bien spirituel. Et vous, spirituel, les gars? Frank, oui, man. Frank est pas mal spirituel. C'est vrai? Il croit à l'astrologie. Bon, sur ce, Frank, dis bye.
Mais on se tue les bras de Salvatore qui revient. Pas disponible. What's up, Sam TV? Ah, tu en avoir du montage à faire, ce podcast-là aussi. Bon, il y a juste ça à faire, oui. C'était quoi la question? On me parlait. T'as dit que t'étais spirituel. Ouais. Je suis quelqu'un de spirituel. C'est un gars de sexe tantrique. Aussi. Ah ouais? Parlais-tu avec Rose Auffay, justement? Ils sont venus au sexe, tabarnak, les gars. Si non, mais on peut aller à la spiritualité. Dans le fond, je suis. Ma mère, c'est une genre de sorcière. Fait que. Ben, une sorcière spirituelle, tu sais, le l'astrologie. Ouais, la... hey, j'étais sûr que tu niaisais. Là. Ta mère, c'est une sorcière. Ben, au niveau de l'astrologie, de la numérologie, la croyance dans l'au-delà, tout ça, accroît ça, le suivi des cours là-dedans. Fait que j'ai été trempé. Tu fais-tu du Reiki? Non, on n'en fait pas. Mais je vais en venir. Que... Ouais. Va pas trop vite. C'est pas le Reiki, les gars, vous comprenez pas. J'ai été plongé là-dedans très jeune. Puis, fait que j'ai appris beaucoup là-dessus. Puis. Selon ma mère, je suis un peu. Je suis né dans des dates spéciales, puis je suis un peu un genre de... L'enfant béni des dieux, hein? Genre. Hey! J'ai des dons. Quand j'étais jeune, je voyais les auras. Les auras, ouais, c'est la couleur. Tu te souviens de ça? Oui, je me souviens de ça. Mais moi, une calotte bleue sur la tête au monde. Aujourd'hui, je les vois plus. C'est quoi un aura? Excuse, l'aura, juste le défilé, mettons. Faites-le ça à la maison. Mettez quelqu'un devant un mur blanc, oui. Puis essayez de. Regardez pas à personne, mais essayez de regarder genre juste au-dessus de sa tête. Là, vous pouvez voir l'énergie. Ça va pas être nécessairement de la couleur, mais certaines personnes peuvent voir l'énergie qu'on dégage. Quand tu colles tes deux mains comme ça ensemble, là, essayez. Plus que t'es colles, plus que t'es colles, plus que t'es colles. Attends un peu, là. T'es colles. Tranquillement, tu sens une pression ou pas? Ah, l'énergie, mais oui. Tu sens-tu une pression? Je pense c'est que oui, maison. Frank. À la maison commentée, ouais, sentez-vous une pression? Est-ce que tu me le dis là, dans ma tête? Là? Non, il y a une pression. C'est-tu placebo, la pression? Ouais, non, on faisait ça quand on était jeune. La pression, c'est l'énergie qu'on dégage. Fait que cette énergie-là, pour ceux qui voient l'aura, a une couleur. Puis chaque couleur a une définition. Mettons, c'est rouge, c'est l'amour. Bleu, c'est ci, bleu, c'est ça. Mais quand un peu le monde, quand ils vont vraiment pas bien, je sais pas si vous en manquez des fois, ils vont dire qu'ils riguent du noir. Genre. Ouais, c'est ça. Quelqu'un qui va mourir va être noir. J'ai jamais. Moi, je suis comme Jill, je comprends. J'ai jamais vu. Ben, j'ai déjà. Concentrez-vous! Je sais pas ce que je voulais dire, là. Allez, les gars, concentrez-vous sur le clitoris. Les auras vont venir plus tard, OK? Un nouveau-né, ça a pas de couleur parce que ça a pas été encore dans le monde. Fait que c'est sain, c'est pur. Fait que ça a pas de couleur. Puis c'est comme ça que ma mère a découvert que je voyais les auras. Quand mon petit frère y est né, j'ai dit pourquoi lui, il est blanc. Tu sais, pourquoi il a une couleur saine, en fait. Puis que les autres ont toutes des couleurs rouge, vert, bleu. Fait que c'est là qu'elle a vu que je voyais. Tu sais, j'avais 3 ans. Les voir? Je me rappelle. Je pense j'avais. Oui, je me rappelle. Je pense que j'avais 6 ou 7 ans. Oh, c'est oui. Que là, dans le fond, pourquoi on arrête de les voir, selon moi, c'est que la société nous mène à penser que Chris, c'est pas vrai. C'est juste du fake. Puis c'est pas normal de voir ça. Fait que je me suis fermé à ça. Mais. Fermer le portail de l'aura. Exactement. Fait que t'en vois plus, là? Non, là, j'en vois plus. Mais je vois encore l'énergie, là, mettons, que tu te mets devant le mur noir, là, ça, je suis capable de le voir. Puis, par la suite, là, je me suis marié avec une fille qui était en médecine. Puis, en médecine, elle, sa vision des choses, c'était vraiment cartésien. La spiritualité, ça n'existait pas. Science. Fait que je me suis fermé à ça pendant 8 ans de temps. Moi, j'en avais rien à cirer de la spiritualité. Puis, quand je me suis séparé, j'ai replongé là-dedans à temps plein. Puis, ça a changé ma vie. Pour vrai. Ouais. Ouais, vraiment. Je me suis mis à lire des livres, j'ai pris des coachs, je me suis mis à m'ouvrir au yoga, au reiki, à l'acupuncture, puis ça m'a vraiment aidé dans mon cheminement personnel. Mais moi, ce que je trouve. Reiki, yoga, quand est-ce que c'est ça? Si. J'ai l'impression qu'on est trop de notre bord, on est là. Je vous dis comment, ouais! Mais moi, ce que je trouve qui est positif dans les éveils spirituels, que même, tu sais, peu importe, t'es rose, t'étais pas partout là-dedans il y a un an, puis à cause de moi, puis 3-4 cristaux qui traînaient. Ils pensent pareil plus, parce que tu en parles tout le temps. Puis je trouve qu'au final, ce qui apporte du positif beaucoup, c'est que tu penses vraiment à toi puis tu te refocuses avec toi-même. Genre. Oui, c'est ça. Puis oui, il y a les autres affaires autour de comme le Reiki, les auras, mais à bord, c'est que tu prends le temps pour cool, toi avec toi-même. Reiki, man. Ouais, moi, tout, c'est ça. Depuis tantôt, là, ça m'a perdu. Le Reiki, c'est un joint. C'est un joint. Non. C'est une sorte de drogue. Ça, on les fume, les joints. On dirait de la musique. Le Reiki, ouais. C'est un soin énergétique. C'est souvent des personnes qui ont des dons. De soigner avec l'énergie. Fait que c'est un genre de massage énergétique un peu. Mais mettons, ça soigne quoi? Si je me casse une jambe,
C'est aussi un renlignement d'énergie. C'est comme avec l'acupuncture. L'acupuncture, il y a 365 points d'acupuncture. Puis ils plantent l'aiguille, mettons, à un certain point. Puis ils vont tourner l'aiguille d'un sens ou de l'autre. Puis ça va aller faire l'énergie dans le canal énergétique qui est peut-être bloqué, le canal énergétique. Fait qu'ils pointent l'aiguille là. Ils vont le tourner d'un bord ou de l'autre. Puis l'énergie va aller dans un sens. Ça, t'en as déjà fait l'acupuncture? Ouais, beaucoup. C'est vraiment. C'est quoi ça fait? Ça réenligne les énergies. C'est pour réaligner les énergies, ouais. Moi, j'ai un gros problème de genou. C'est physique aussi, là. C'est pas juste psychique, là. J'ai le ménisque déchiré. Ça faisait 2 ans que j'avais mal au genou. Aucun médecin peut l'opérer. Aucun médecin peut me donner des traitements pour que ça fasse moins mal. Bon, ben, je vais aller voir en acupuncture. Puis mon mal, dès le premier traitement, a réduit 75%. Vraiment. C'est moi, ça a fonctionné pour moi. Mais si tu y crois pas, je pense pas que ça peut fonctionner. Il y a une part mentale dans tout cet univers-là qui doit être pris en considération. Mais même les gens qui discréditent l'effet placebo, tant que ça marche. Ben c'est ça. C'est moins valide, l'effet placebo. Ben non, je suis bien d'accord. J'allais dire, parce que justement, quand t'as une relation toxique, je sais pas si de vos amis, vous-même, vous l'avez déjà été. Genre, le truc de l'énergie, c'est vrai que ça existe. C'est comme tu te sens là, drainé puis différente, puis tu dégages ça. Genre. Comme les gens qui dégagent une bonne vibe, c'est quoi une vibe? C'est pas parce que tu ris. Là, c'est comme... Ça se dégage. Puis un peu comme... d'ailleurs, ça commence à se faire prouver par la science. Tu diras sur ton moyen que c'est si. C'est la science quantique. Parfait. Puis il y a une chercheuse qui est venue sur un... Écoutez, c'est petit novice. Il y a une chercheuse qui est venue sur un podcast à un moment donné. Une neuropsychologue. Elle parlait de stress puis tout. Elle a dit, quand tu places... Si, mettons, tu places 2 personnes stressées ensemble dans une pièce, puis que toi, qui n'es pas stressé, ils le regardent, tu vas devenir immédiatement stressé, puis ça a été prouvé par la science. Pourquoi? Oui. À cause de l'énergie, mais tu sais pas qu'ils sont stressés, là. Ils sont dans une pièce, ils parlent pas, ils font juste comme fixer un mur, puis tu le sens qu'ils sont stressés, puis que tu deviens stressé. Et ça a comme prouvé ce que, justement, les gens psychiques, puis la spiritualité, ça dit depuis des années que l'énergie, c'est de quoi qui est vrai, tu sais. Mais comment qu'on fait pour se détacher de ça? Puis moi, je suis 100% d'accord avec ce que tu dis, mais c'est vrai que si j'étais avec quelqu'un qui est genre dans un mauvais mood, ou puis je sais pas si ça vient d'un côté people pleaser de ma personnalité, mais comme si tu es dans un mauvais mood, là, c'est impossible que je sois capable de me dire comme, hey, moi, je vais enjoy ma soirée de mon côté, puis je correct, genre. Toi, tu vis tes affaires, puis tout. Non, c'est genre, ton énergie est tellement forte par rapport à la mienne que ça me... Ben oui. Fait comment que c'est ça, pour te sortir de ça, genre? Il y a ça, un truc, protéger son énergie. Ben, si premièrement, tu es capable de comprendre que l'énergie existe, tu sais, tu ressens ça, c'est déjà bon, hein, c'est déjà un bon signe. Mais après ça, là, je pense que c'est propre à chacun. Parce qu'il y en a qui aiment ça, se nourrir de ce genre d'énergie-là, d'aller plus loin. Comment t'as dit ça? Les vampires énergétiques. Ouais, mais pour t'en départir, je pense que c'est juste de quitter ou d'aller plus loin, selon moi. Là. Ouais, c'est vrai. Ou du moins d'essayer d'aider la personne à se comprendre ou à comprendre le pourquoi elle est comme ça. Là. Si tu veux aller là, mais moi, personnellement, quand une personne est comme ça ou est toxique, je fais tout simplement crisser mon gant. Prends des affaires. On devrait faire un voyage spirituel. Y'a pas genre une grosse drogue là, que le monde genre la ayahuasca. Ouais, la c'est ayahuasca là. Laisse-moi fucker. T'as-tu déjà fait ça? Non. C'est quoi la drogue? C'est. Je sais pas. Ayahuasca. C'est quoi ça fait? C'est du genre de DMT, je pense. Là, c'est comme un dérivé. Puis faut que t'aies. Il y a genre des retraites que tu peux aller faire ça. Mettons au Pérou. Là, ouais. Il y a des chamans qui te font prendre ça. Puis après ça, ils te suivent. Puis ça a l'air d'être une estime d'expérience spirituelle fucked up. Là. C'est genre un gros voyage. Tu fais face avec tous tes démons, genre. C'est ouais. Comme, c'est comme du moche, mais genre, c'est stéroïde. Là. C'est ça. C'est la DMT, une molécule qu'on sécrète avant de mourir. C'est comme une drogue qui va nous apaiser juste avant de c'est mourir. C'est ça qui dit que tu frôles la mort avec ça. C'est une expérience de mort imminente. Comme moi, ma mère est infirmière auxiliaire, puis elle a accompagné beaucoup de gens à la mort, puis elle dit toujours, 2 semaines avant de mourir, les personnes, ils acceptent le fait qu'ils vont mourir. Mais avant ça, mettons, ils veulent pas mourir, tu veux pas mourir, mais 2 semaines avant, tu acceptes le fait que tu vas mourir, puis là, c'est comme si les gens étaient défoncés, mais ils sécrètent de la DMT. Puis la DMT, ça va venir aider à passer à autre chose. Seriez-vous game en de fait, faire là? Ça, un genre de drogue psychédélique de même, mais comme en genre de quête intérieure? Là, un peu. J'ai un ami qui a fait de la DMT. Lui, il va. C'est un bon luron, un joyeux luron, mais il a des côtés un peu plus dark. Puis il m'a dit, quand il a pris de la DMT, tout était joyeux, mais il était avec la mort. Il hallucinait un peu qu'il était avec la mort, là, avec sa faux puis tout. Fait que tu sais, c'est comme t'es à cheval entre les deux, mais tout allait bien. Mais moi, je pense que dans ma vie, je vais l'essayer, ça. Une affaire de même. Ah ouais? Moi, j'aurais peur de ressortir de là. Fuck it. Mais plus vieux, là. Mettons, là,
j'ai 30 ans, ma blonde va avoir son notre premier enfant, mettons, puis là, je veux mes révélations avant d'être un père. Je pense que ça serait bon, le bon timing. Moi, je ferais ça avant d'avoir des enfants puis une blonde. Ouais. Ah ouais? Mais non, mais il n'est pas encore né, l'enfant, là. Tu sais, il s'en vient bientôt. Puis là, je me disais, OK, je veux être un bon père. Les révélations que tu peux faire sur de la drogue peuvent t'amener à évoluer. Fait que je pense que c'était mieux être rendu dans ta relation de couple avec laquelle tu vas avoir ton enfant un coup évolué. OK. Pas évoluer dans ta relation. Ouais. Ben, tu vas toujours évoluer dans ta relation, mais évoluer toi-même, je pense que c'est mieux de le faire tout seul. Après, tu peux réaliser que ça tente pas pantoute d'être père aussi. C'est bon. Ah, imagine. Il est trop tard, t'es genre fuck. Émile, il revient du Pérou, genre. Ouais, non. Non, je suis désolée. C'était ma voisine, genre, c'est pas genre style. Je m'en occupe plus. Ouais, je pense pas, je ferais ça, cette drogue-là. Il y avait ce que? Toi, tu ferais ça, ce serait plus son genre. Non. Non? Non, le moche, c'est bien normal, c'est plus genre. Oui, ça me tente pas. Rencontrer mes démons. Là. Je sais pas, je trouve que c'est tellement intense. Après ça, je trouve que le monde fucké que j'ai rencontré, qui sont tannants fucké, genre. C'est, ils ont tous fait ça, genre. Fait que j'aurais comme peur de devenir fucking. On fait de la Wesco ou trop de coke? Parce que... Non, mais tu sais, je pense au gars qu'on avait vu là, en Thaïlande, mais c'est tannant. Elle me presse. Ah oui. Elle revenait d'avoir fait ça, son voyage spirituel, tu sais, tout. Et puis. Ouais, mais lui, il était juste tannant à base. C'est là, ça, c'est qu'il y a du monde qui reste collé sur ces affaires-là puis qui deviennent fucky. J'ai l'impression qu'il y a du monde qui ne revient pas au complet des fois de ces trips-là. C'est ça. C'est ça qui fait peur. Mais c'est comme n'importe qui, mettons dans la vie, mettons à base, il y a du monde qui sont tannants en général. Fait qu'imagine le nombre qui sont tannants puis qui deviennent spirituels. Il reste des tannants spirituels, tu sais. Ils sont gossants. C'est ça, mais il y a des tannants spirituels qui vont passer vers le chemin de la spiritualité. Ils vont savoir ils vont se découvrir tout ça, mais ils vont penser que ce qu'ils ont fait va être bon pour toi. Fait que tu devrais faire du yoga, tu devrais faire du Reiki, du Reiki ou de l'acupuncture. Moi, je suis passé dans ce chemin-là, mais ce que je prône, c'est propre à chaque personne. Ouais. Va l'essayer, si ça fait pas, change. Mais il y a plusieurs choses que tu peux essayer, mais... Je peux pas te conseiller d'aller faire du Reiki. Tu vas peut-être pas aimer ça d'un massage énergétique. L'autre vient peut-être passer les aiguilles, mais c'est propre à chaque personne. Ouais. La spiritualité, c'est un peu comme, c'est comme les goûts, là, ça se discute pas. C'est vrai. Mais c'est comme tantôt qu'on s'était dit que la sexualité, justement, c'est propre à chacun. Il y a beaucoup de monde, je pense, pendant la COVID, qui se sont découverts un éveil spirituel. Comme, il y a beaucoup de TikTok aussi qui évolue là-dessus. T'sais, mettons, moi, la loi de la manifestation, l'attraction, c'est sur TikTok que j'ai entendu parler la première fois. Puis il y avait beaucoup de spiritualité toxique, genre positivité toxique. Ton manifesté, je sais pas si c'est quoi. Ouais, moi je crois à ça, c'est la manifestation. Ouais, la loi d'attraction, c'est que t'attires ce que t'es. Il faut tout le temps que tu sois la meilleure version de toi-même pour attirer juste des bonnes choses. Mais ça, c'est toxique parce que c'est pas vrai. Tandis qu'au final, c'est juste ton moi, selon ce que j'établis pour moi, encore une fois, c'est vis tes émotions tant qu'ils sont, empêche-toi pas de le faire. Fait que quand il y a des choses positives qui vont arriver, des choses positives, tu vas les laisser arriver, tu sais. C'est pas simple de se dire je serais pas triste parce que si je suis triste, les choses tristes vont m'arriver en permanence, puis tout va mal aller. Non. Ouais, puis là, ton émotion, puis débarrasse-toi après parce que tu l'as vécu justement. Ça mais tu peux essayer de manifester ce que tu veux qui t'arrive, mettons. Ça, je pense qu'il y a quelque chose là-dedans. Moi, je fais du journaling depuis un an et demi. Ouais. T'écris à tous les jours dans un journal. Ouais. J'ai fait ça pour la première fois hier, je t'en ai parlé, Ben pas la première fois, je le faisais en 2019 dans mon gros grand YouTube, puis je me suis perdu un peu là-dedans. J'ai recommencé hier. Oui. Ça fait du bien. Oui, ça fait du bien. Moi, j'écris des messages dans mon miroir de qu'est-ce que je veux faire. Mon coach l'a fait pendant 6000 jours d'affilée. Il a 75 ans aussi. Mon coach de? Coach de vie. Ouais, coach de vie. Son chaman. C'est mon ami. Non, c'est pas mon chaman, c'est pas lui. T'es plein de sorciers dans ton entourage, toi. Ouais, c'est une famille de sorciers. Moi, comment je vois ça, c'est je veux vibrer l'amour. Mm-hmm. Fait que j'essaie d'attirer à moi l'amour. Fait que je pense toujours à l'amour puis la positivité. Puis les gens autour de moi qui sont négatifs, puis j'essaie de les éloigner le plus possible pour attirer ça vers moi. Puis ça fait déjà 7 ans que je pratique ça, puis ça fonctionne. T'es plus avec ton ex. Je suis plus avec mon ex. Hey, mais tu parlais tantôt de l'énergie que quelqu'un dégage. Là. Frank, là, t'en es un bon. Là. Tu rentres dans une pièce, t'es de bonne humeur, le monde va être de bonne humeur. Tu rentres dans une pièce, t'es en tabarnak, le monde, ça les met en... Ouais, je suis un bon... Ce qui est intéressant dans ce que tu dis, c'est que tu as osé y aller en thérapie, tu as osé comme prendre des moyens pour te donner cet amour-là puis évoluer. Mais c'est tough au début. Parce que plein de monde font pas, je pense. Oui, parce que c'est un long process. Moi, je pense que j'ai vu des résultats vraiment concrets dans ma vie au bout de 7-8 mois, genre. Parce qu'au bout de 6 mois, j'étais tannée, j'étais comme, tu sais, OK, je suis consciente de mes problèmes, je suis consciente. What about it, ils s'en vont pas, tu sais. Puis au bout de 8 mois, mais Chris, j'ai vu, ça a vraiment fait du progrès. Puis j'étais comme, damn, genre, je réagis plus comme j'aurais réagi avant dans mes relations. Tout, moi, c'était mon principal problème, c'était la peur de l'abandon, mettons. Là. Mm-hmm. Maintenant, j'accepte que, tu sais, les gens sont temporaires dans ta vie à un certain niveau. On repart dans tout le truc. Ouais. Ben, les gens permanents sont, quand ils sont là pour rester, ils sont là pour rester. Ça.
Ouais, mais tu changes vraiment ta vie que tu sais pas. Tu grandis, là. Une chance, ouais, t'es là. Oui. Je suis pas part de toute la conversation. Conversation du self-love et la thérapie. Peut-être qu'un animateur de podcast. Moi, ça fait une demi-heure que je m'en calisse de ce que vous dites. Non, c'est pas si que j'ai de la bière. Non, mais nous autres, on nous a fortement recommandé d'arrêter de parler de sexe. Je vous dirais à pause. Fait que c'est à cause de vous autres que la conversation de self-love, les chandelles. Pas notre créneau, la spécialité. Ben, Jess. Oui, nous autres, on change de temps. Jess, elle a le créneau. Nous autres, tabarnak, on l'a pas. Mais... on pourrait faire un podcast plus tard, deux parties de votre bord. Ouais, c'est ça. Ben, ça a failli devenir ça, là. Il y avait deux podcasts, un bout. On dirait que je vous imagine vous regarder être comme. C'est quand même. Hey, mais vous autres, est-ce que vous êtes déjà allé en thérapie? Non. Vous? Une fois, j'ai détesté ça, je suis pas retourné. Allez voir un psy une fois? Une séance. Mais c'est que je savais que c'était pas un match. Je sais que c'est un affaire de connexion. Là. Elle, je savais. Fait que je connectais pas. Puis là, ben, j'ai toujours pas retourné. Mais un jour, là. Mais moi, oui, comme j'ai dit, un an, parce que je fais l'anxiété, puis je vois un psy, je plug à toutes les crises de podcast. Puis j'avais vraiment beaucoup de issues. Puis dans la vie, ce qui arrive, c'est que si tu dépoies avec tes issues, tu les exposes sur les autres. Je trouvais ça vraiment lourd de mettre ces attentes-là sur mes relations. Tu sais, Rose a pu en témoigner. Justement, à cause de ma peur de l'abandon, de la peur du rejet, ça faisait crissement de la pression de mes relations extérieures, surtout Rose qui l'a vécu. Puis elle était pas bien avec ça, fait qu'à un moment donné, si tu te prends pas en charge, c'est les autres qui prennent en charge. C'est agréable, tu sais. C'est les autres qui vivent ta mal. Fait que justement, j'étais en thérapie, puis comme tu dis, moi, je l'ai fait trois fois. Puis première psy, vraiment aimée, mais j'ai fallu que j'arrête de l'avoir à un moment donné pour raison que. C'était avec l'Uni. L'Uni a donné des séances gratuites, là. Genre, t'en as 8, fait qu'au bout de 8, t'en vois plus. Puis après ça, j'en ai vu un autre. Ah, oh, c'est lui, je l'ai aimé. Ah, détestable. Non. Ça marche pas en tout. Là. Faut que ça soit un fit avec son psy. Ouais, puis, comme n'importe qui, ça peut prendre plus qu'une fois parce que j'ai une de mes amies justement qui allait en thérapie deux fois, puis elle était comme, c'est de l'estimant, c'est pas pour moi. J'étais comme, non, mais t'as juste pas été chanceux. C'est un peu comme l'amour ou les dating. Fais juste réessayer parce que t'as encore des choses deux ans plus tard, puis c'est les mêmes. Là. Comment ils vont se traiter, tu sais? Ouais, mais Chris, c'est tough, pareil, là, aller en thérapie. Tu sais, moi, quand tu m'as envoyé là, elle s'est coupée un cul, là. Genre. Mais rien qui est work qui est tant facile que ça, tu sais. Mais non, c'est ça, vrai. Tu viens de le dire, c'est elle qui t'a envoyé. C'est toi qu'il faut que tu le fasses pour toi puis tu y ailles par toi. Après, je le faisais pour moi, mais c'est parce qu'elle me fait casser les oreilles 5 fois par jour parce que tout y est. Je t'en parlais plus pour toi, je parlais de moi, comment c'était bénéfique pour moi, puis tu as eu le goût aussi de régler tes affaires. Mais je pense que ça serait bénéfique pour tout le monde, techniquement. Tout le monde est fucked up un peu. Là. Mais oui. Puis jaser avec quelqu'un, il n'y a rien de mal là-dedans. Là. Tu jases avec quelqu'un, tu ventiles. C'est sûr, ça doit faire du bien. Il y a le secret professionnel, là, tu peux dire tout ce que tu veux. Je trouvais ça tough. Ça me tentait pas de me ramener quand il est. C'est mes parents pis tout, genre. C'est ça. Non, mais j'ai vraiment aimé ça, puis genre, ça m'a tellement, puis on dirait que ça, comme, pas par magie, là, mais genre, j'ai fait mes séances puis tout avec l'Uni, puis à un moment donné, comme les mêmes situations se représentaient, puis est-ce que je les dealais pas pareil, puis j'étais genre, ah, oh, c'est ça que ça fait à thérapie, genre, mais ouais. Comme. Moi, j'ai vu des résultats au bout de 8 mois, là, une fois semaine, là. Comme des vrais résultats concrets, puis c'est ironique parce que j'ai une peur d'abandon. Comment t'as vu qu'il y avait des résultats? Tu l'as senti en dedans de toi? Ou? Non, c'est comment je réagissais face aux situations qui, si seraient arrivées avant, je sais comment j'aurais réagi. Puis j'aurais donc battre pis, tu sais, je fais l'anxiété puis tout, puis mettons, en est quelqu'un est parti de ma vie, puis je sais qu'avant j'aurais fait comme. Puis là, j'étais comme. Ouais. C'est pas fait pour moi. Genre, c'est tout, puis quand j'ai compris ça, j'étais genre, damn. Wow. Mais c'est sûr que moi, je savais pas. Genre, 5 000$, c'est thérapie là-dedans, même. Ouais. Ça vaut de l'or. Tu viens de dire que t'avais mis 5 000$ en thérapie? Ouais. Est-ce que tu le remettrais? Ouais. Bon. Non, je continuerai encore. Et, je sais, je la vois plus live, ça va faire 2-3 semaines, puis je suis genre. Calé, c'est ça. Mais comme. Je ressortais de là, même, tu voyais, je revenais à l'appart, là. Légère. Ouais. J'ai dit tantôt que ça tente pas tout le temps que ça soit lourd, mais ma psy, elle me dit ça l'autre fois, elle me dit tu devrais me le dire dans les fois des séances. Elle dit tu peux. J'étais comme écrit, j'ai le droit de dire ça. Elle dit tu peux tout dire. C'est aujourd'hui, ça tente, j'essaie de creuser plus loin en me disant qu'est-ce que tu ressens pour lui ou comme qu'est-ce que. Puis ça me tente pas de parler de ça. Ben parfait, on va parler d'autre chose. T'sais. Puis elle est là pour t'écouter comme acter dans le moment. T'sais, on a un ami qui envoie un psy, puis man, quand il a envie d'y gueuler après, s'il va y gueuler après, t'as tabarnak. Pour vrai. Tu sais, Chris a demandé, je rentre dans la page, je suis comme tabarnak, après c'est qui parle? Il sort bien relax, c'était ma psy, big. Tu parles de même à ta psy? Ben oui, mais c'est comme ça, il avait ses émotions-là à sortir, il les a sorties de même, tu sais. Ouais, je me vide la cœur carrément. Non, mais ça fait salut! Allez, on te salue! La personne n'est pas là pour te juger, fait que quand tu dis non, mais tabarnak, genre le Chris de crosseux, peux-tu plaît? T'sais, moi, j'aime ça aussi me dire que ma psy, j'étais sa plus drôle patiente. C'est sûr, j'avais des rires le plus que les autres. Je pense que t'es sûr. Ah, je suis sûr. Okay. J'ai une petite pression sur lui, mais Gino, il dit moi, je veux pas y aller. Si, on va rester toxique. Ah, as fuck. C'est quoi, c'était ce petit jeu-là, man? C'est pas un jeu, ça? C'est juste, Arnie, là? C'est pas un jeu? Exposer le monde. Guillaume, Charlotte. Stéphanie. Qui que tu baises?
Mais c'est quoi le jeu? C'est pas un jeu! C'est quoi, tu choisis deux personnes, puis tu décides de l'une des deux. C'est comme fuck Mary Kill. C'est tu Mary Kill, mais tu tues personne. Esti, tu réinventes la game, toi! Qui tu baises, c'est quand, mais je jouais tout le temps à ça. C'est ça! Au secondaire, là, on prenait deux filles, on disait, hey, telle fille ou telle fille, puis telle fille, t'as baises quatre fois ou telle fille une fois. Puis là, on choisissait. Ah ouais, j'ai pas. J'ai... Allez-y, les gars, allez-y, man. Wow, Rose. Ah non, merci. Moi, ça me tente pas de jouer à ça. Non. Ouais. Mais je fais ça dans le temps. King Kong ou la pioche, les filles? Qu'est-ce que c'est? J'allais dire, c'est qui, eux autres? Moi aussi, la voici, j'ai caché. King Kong. Victor Nado 420 sur Twitch. Bon, ben, c'est quoi votre fantasme avant de mourir, mademoiselle? Ah, c'est bon, ça? Tout le monde. un à la suite de l'autre, commençant par Madame aux cheveux roses. Ah. Quel est ton fantasme sexuel avant de mourir? Ça serait d'aller dans un truc d'échangisme. Ah ouais? Ouais. Ah ouais? Ouais. As-tu déjà tenté le terrain? Non. Fait qu'on salue ton chum à la maison. Son plus gros fantasme, c'est de coucher avec un autre gars que toi. C'est ta meilleure de tous les podcasts. Ouais. Je suis quand même fier de ça. Yes, sir! Toi, Emile, vas-y. J'ai répondu la semaine passée. Il avait dit, c'est quoi tu veux faire avant de mourir? J'avais dit un trip à trois. Fait qu'à je vais garder la même réponse. C'est plate, mais genre, je l'ai jamais fait. Fait qu'à que ça serait ça, un fantasme que je voudrais réaliser avant de mourir. Hey, moi, ça va être plate, là, mais plate et très vanné, mais en ce moment, je suis dans un trip. J'aimerais ça parce que j'ai réalisé qu'avec les gars que j'ai couché, il n'y a jamais personne sur qui je tripais en même temps que le gars tripait sur moi. Genre. Fait que ça serait comme ça mon fantasme, de tripper avec quelqu'un qui tripe autant sur moi puis d'avoir du respect. Du respect puis du fun dans l'acte, genre. Hey, c'est triste, c'est quoi ton gros comme... turn-on? Elle consente. Si tu veux, je peux te dire. Ouais, c'est ça. Jay, il est bon pour dire je t'aime. Si tu veux, je peux te dire je t'aime. Je veux dire je t'aime. C'est à moi. Il changera rien. J'aime ça pour dire je t'aime plus long que deux minutes. Ouais, je suis capable de faire un 3-4 de temps en temps. Ah ouais? Ça va, non? Pour couper les caméras aussi. Oh yeah, je vais sortir le matin comme lui. Fait quoi, je pense que ça serait ça. Ça serait comme de triper avec quelqu'un, genre. Ouais, je pense que là, ça, c'est juste comme genre, c'est raisonnable parce que. Ben, je trouve ça plate pour moi qui n'ai jamais vécu ça à 22 ans. Ouais, parce que c'est. Ben, c'est plate, genre, c'est quand tu couches avec quelqu'un, puis l'autre personne n'a pas la même connexion que toi, parce que rendu là, c'est quasiment un one night plate. Hein. Ouais, mais. Ouais. Rendu, ça devait être ton chum, puis c'est rendu ça. C'est TV, on est dans podcast. Ouais, c'est ça. TV, t'as pas de micro. Toi, mon Dieu, ton fantasme sexuel avant de mourir la semaine prochaine. La semaine prochaine. Hey, ok, on va recommencer parce que, man, je veux pas que tu meurs. On va faire quoi pour le contenu? Toi, mon Dieu! Qui va faire le montage, tabarnak? Yo, Dieu, toi, avant de mourir, quel serait ton fantasme, Saswell? Durée 30 minutes. Je suis jamais qu'une fille à jeun, fait que je suis bien good. Non, c'est pas ah, c'est assez, je suis bien bon, là. C'est plus rendu un problème précoce. Je suis rendu avec une bonne confiance sexuelle. Mais vous m'avez quand même rendu que je t'ai chié, tantôt. C'est sûr que moi non plus, j'ai jamais fait de trip à trois. Ça, c'est sûr que je veux le faire, mais c'est pas ça mon fantasme. Tu sais, parce qu'un fantasme, c'est pas obligé d'être quelque chose que tu réalises. Hey, ça peut juste genre. No cap, j'aime quand même ça être dominé, man. Fait que j'aime ça, c'était sûrement de quoi. Mais je suis peut-être pas dans le cul, genre. Non, ben ouais, je comprends ce que tu veux dire, mais le grand coup de strap-on dans le cul, je sais pas. Ouais, non, pas dans le sens à coup de strap-on. Un grand coup de je t'aime dans le cul, Jay. J'aimerais ça me faire crisser des je t'aime dans le cul. Ben. Fait que faire dominer, mettons, de A à Z pendant la séance, genre. Ouais, je pense que. Ouais, man, ça doit être de quoi, genre. Tabarnak, ça doit être. Mais c'est parce que ça fait crissement, tu fais. Je comprends, il doit y avoir quelque chose, là. Donc, quelque chose là. De me faire dominer, la cuillerette pis le lasso, même. Non, mais tu sais, j'ai pas mais là, on rit pis tout, genre, parce que c'est drôle à dire, mais tu sais, comme, ça peut-tu être normalisé, là? Ben oui. Mais oui. On a fait, nous autres, on a reçu... On a fait! Non, mais sur le podcast, on a fait, tantôt, on vous a dit, pré-podcast, genre, on a fait partie 2 BDSM, pis on s'est fait lire notre chart sexuel BDSM là-dedans, fait que ça dit, justement, si t'es plus dominant, dominé, switch, qui est un des, genre, tu peux être un ou l'autre, pis tout, pis c'était bien intéressant. Faites-vous dominer, tout le monde. Mais oui, à la maison, faites-vous dominer. Hey, faites-vous gérer. Mais je pense que c'est comme une image que les gosses donnent, là, de genre de. Qui ont besoin d'être le mâle alpha qui domine. Tu sais. Mais je pense pour ça que c'est excitant de le switcher. Ouais, c'est genre, c'est ça. Ça arrive jamais. J'aime ça me faire dominer.
C'est, mais c'est pas encore arrivé, mais... C'est des... jamais arrivé? Ben, pas genre à 100%. Là. C'est quoi à 100%? Là, oui, c'est quoi se faire dominer à 100% dans ta tête? Je sais pas, man. Me faire menotter, pis genre, faut rien faire, là. Mais non, c'est juste un crise de l'âge. Non, hey! Non, on non, a non. démystifié ça l'autre fois, c'est pas ça, c'est que ça t'enlève la charge mentale de penser à ce que tu vas faire, tu sais. Ouais, c'est vrai ce que tu viens de dire, ça enlève la charge. Ouais, ben oui. T'as soir, t'as pensé à rien, mais la personne arrive, tu fais comme, ok. Ouais, c'est ça. C'est ça, ouais, il y a quelque chose là. Toi, vous autres. Ouais, toi, Frank. Oui. Moi, c'est un peu comme Jess. C'est... L'amour, moi je cherche l'amour, est-ce que moi, ça serait d'avoir une semaine complète de relation sexuelle avec la femme que je vais avoir été tout le long de ma vie, puis qu'on va être rendus toutes les deux à avoir accompli nos vies, puis qu'on va avoir l'esprit tranquille. Fait que ça va être de faire l'amour dans un lieu bucolique comme Bora Bora, puis de baiser comme des animaux avec l'esprit tranquille, genre juste un pour l'autre. Pas rien d'autre, pas de téléphone, pas d'internet, pas de GNT, rien de rien de rien. Hey, ça paraît qu'il y a l'expérience même, parce qu'il a pensé à son fantasme. Ouais, moi, c'est genre, j'aimerais ça qu'il m'aime. Ouais. Non, moi, c'est vraiment d'avoir d'essayer d'avoir une relation sexuelle où que il y a juste les deux personnes. Attends, attends. Fait que toi, dans le fond, ton... toi, c'est vraiment juste que le gars soit intéressé. Ouais, c'est vrai. On a... Non, mais être intéressé les deux en même temps, genre. Mais que... Parce que des fois, tu couches avec quelqu'un qui tripe sur toi, puis t'es comme, bah, tu sais, why not, la personne à me chase à soi, mais c'est pas le moment. Je sais pas comment l'expliquer, ou des fois, on dirait que, surtout quand tu couches avec une couple de personnes, c'est tellement de, ça devient tellement, pas mécanique, mais si tu fais un peu ta routine, je me tourne one night, que c'est pas sur le moment présent à focusser avec la personne. Genre, des fois, j'ai couché avec du monde, on dirait qu'il savait pas qu'il couchait avec moi, genre. Ouais, pas moi en tant que Céline, mais comme, t'es pas sur le moment, puis j'aimerais juste ça vivre un moment avec quelqu'un sur qui je tripe. Okay. J'ai déjà couché avec une personne qui était fucking respectueuse, puis c'était le fun, parce que j'étais comme, chaque la personne attire à moi. Mais je tripais pas dessus. C'était très respectful, pis c'était très tout ça, mais il y avait pas la petite attirance de dire ah, c'est le fun qu'on vient en ce moment. Genre. Genre, j'ai trouvé ça pas, je pensais à ça, j'étais comme, je me suis jamais pogné personne que. On avait une vraie connexion en même temps en ce moment. Deux, les papillons des deux bords. Ouais. C'est tout le temps un ou l'autre, ou comme. Soit c'est un ou l'autre, pis ils sont stressés, fait que ça se parle pas, pis c'est pas nice parce que t'as pas communiqué avant, fait que t'es genre. Mais c'est pour ça que les one-night, moi je trouve, c'est pas mal tout le temps de la stine mal. Ouais. Parce que la plupart du temps, c'est ça. Soit il y en a un des deux qui est dans sa tête, fait que c'est justement, tu t'es pas dans la connexion de je suis content avec la personne. C'est juste, nous autres, on veut se vider les couilles, puis la fille. Elle veut... Je trouve que ça dépend quelle sorte de one night. Je sais pas, ouais, c'est peut-être moi qui est pas. Un one night, c'est beaucoup mécanique, là. Comme, c'est ça, c'est juste mécanique. Comme relation sexuelle, fait que c'est... Tout le monde est là pour soi-même, là. Ouais, c'est ça, fait que c'est ça. Tu te réveilles le lendemain matin, t'es comme tabarnak, je suis sûr de passer à autre chose. Ouais. Moi, c'est ça mon drip. Ouais. Ben, genre, moi, c'est pas. Pff, j'en ai vraiment pas fait souvent, pis je cherche pas à courir après ça. Non, parce que c'est pas ton aise, c'est pas care à propos de l'autre. Genre, je te dis pas care, je t'aime, mais comme, tu sais, caler ça d'autres personnes, c'est pas cool. Tu te réveilles le lendemain, pis c'est comme si t'avais pas bagné. Ouais, t'es comme bon, mais je vais aller chez nous, je suis un peu dégueulé de moi-même, pis j'en fais comme. Ouais, c'est ça. Le petit feeling après, là. C'est pas mieux, c'est ça. Mais quand t'es sous, ça a toujours l'air d'une bonne. Ouais. Comment que je suis avec son ex, la dernière fois, tu fais comme moi. Tu sais, c'est quoi ton fantasme? J'ai déjà dit au début, j'ai trip à trois. On repasse sur un deuxième. C'est ton deuxième fantasme, ça. Ah, mec. Ouais, mais autre qu'un trip à trois. On s'en aimait beaucoup, mec. T'en es sorti facile, le beau frère. Là. Ouais, un trip à trois. Je trouve que ça a l'air de J, tabarnak. Ben oui, mais c'est pas. Deux filles. On l'a fait avec le casse VR pour ta vidéo qui s'est fait couper. Là. Tu le ferais-tu avec deux gars et une fille? Ouais. Ça, j'y ai déjà pensé. Je pense pas, man. Je suis le genre de gars qui est. Non, je pense pas, man. J'aurais de la misère à être avec un autre gars. Mais j'aime mieux, j'aime l'intimité. Mais parce que, genre, pour moi, une relation sexuelle, il faut que ça soit intime. Puis le fait qu'il y a deux filles, vu que c'est deux filles qui m'intéressent sexuellement, genre, j'aurais le même feeling d'intimité avec, même s'il y a deux personnes. Mais s'il y a un gars, c'est comme s'il y a un intrus dans la pièce, genre. Je sais pas si tu comprends. Oui. Mais si je sais pas, ça, moi, personnellement, c'est pas quelque chose qui m'attire. Ça serait t'as deux le filles. Droit. Correct. Puis c'est. Ben, peut-être pas, parce que j'en ai jamais fait, mais c'est. Quand c'est deux gars sur une fille, on dirait plus, genre, on la fout. Moi, je suis genre, on va faire l'amour. Ouais, le tout est là, le je t'aime, Asti. Dis-tu, je t'aime pour vrai? Ouais, oui. C'est cave. Pas en tout. Ouais. Je vais te la raconter, l'histoire. On va au Dagobert. Il spogne la fille. Il ment. Tu sais, j'étais à côté, là. Il regarde la fille, il dit, c'est que t'es chaude. Tout de suite, il y a French. Direct, là, il n'y a pas, y a pas dit d'autres mots. Il French pendant une heure. Les lumières s'allument. Il est accroché à ses bras. Je passe à côté. C'est ma blonde, c'est ma blonde, c'est ma blonde, je t'aime. La fille, elle me regarde. Finalement, il la ramène chez eux. Puis c'est cette fameuse fille-là qui l'a vu s'endormir à poil dans son lit avec son petit bat.
Oh non! T'es le scrap. D'accord, non. Ben là, c'est pas glorieux comme histoire. Ben good, quand t'es hot, t'es hot. Oui. Tabarnak! Oh boy! Bref, merci de nous avoir invités sur le podcast. Hey, ça vit sur « On cherche l'amour » On pourrait faire une émission comme « L'amour est dans le pré ». On c'est quoi ton l'amour. Concept? Okay. On cherche l'amour pour GNT. Non, je pensais qu'on cherche l'amour pour moi, j'étais comme « Yeah, baby! » Non, tu penses que c'est dans le coup de non? Il y a personne qui m'arrive à la cheville, c'est pas à dire, mais comme... Je comprends le feeling. Ouais! C'est vrai qu'il y en a, mais... Ouais, ça arrive, ça arrive. Personnalité-wise, pas en tout. Non, c'est hey. Ça. Oh là là. On va faire notre fin de podcast, les gars, si vous voulez. Un peu de rire. Mais quand, les gars, c'est où c'est qu'on peut vous retrouver? Ouais, on vous retrouve, vous autres. Quand ça plugue? Sur Patreon. Oui? Ben non. Ils sont 4 jours d'avance, ici. Et je fucking go, je vais aller faire la présentation. Moi, je suis bon là-dedans. Vas-y. Sur Instagram, Frank the Dripper, Dripper Nation. Sur YouTube, merci à Pizza Salvatore. Il y a des succursales partout dans le Québec. Merci de nous aider à propulser notre podcast, le plus G du Québec. Merci à Rose. Merci à Jess. 5 à 7 podcast. Allez écouter ça. C'est une putain de tuerie. Sinon, Jess, tu sais qu'on peut te retrouver. Tu sais qu'on peut te retrouver mais sur oui. jessica.roux, R-O-U-X, sur Instagram. Ou sinon, vous pouvez magasiner ma compagnie sur shopokbuy.ca. Vous avez d'ailleurs un rabais avec le code 5A7. Donc 5A7, 3 lettres. Ensuite, Rose, toi, tu sais qu'on peut te retrouver. On peut me retrouver au 5A7.podcast. Sinon, la Santero. Non, c'est la.santero sur Instagram. Vous pouvez retrouver tous mes changements capillaires avec par exotique. Corps. Sinon. Oh, yeah. No.